Merci beaucoup. Il est 13h. Bonjour à tous. Je m'appelle Raoul Mille. Je suis conseiller scientifique à la représentation permanente de la France ici à Rome. Et c'est au nom du comité d'organisation de cette troisième fête internationale de la science que je dis quelques mots en attendant que tout le monde puisse se brancher. Vous trouverez les noms du comité d'organisation tout à la fin de la fête. Alors, c'est une grande joie de vous retrouver après un an, presque jour pour jour, pour la troisième édition de la Fête de la Science, qui, dans un instant, sera ouverte par Madame Jürgensen, l'ambassadrice. Nous sommes nombreux inscrits des cinq continents pour la suivre soit en direct, soit en différé. Un clin d'œil donc à ceux qui prennent le café à New York, le déjeuner à Dakar ou une tisane à Sydney. Et un salut amical au village Galibi de Terre Rouge en Guyane, à nos amis forestiers de Labodéry et aux chercheurs de Peau d'Or. Alors, si notre fête n'est pas une conférence scientifique traditionnelle, nous abordons cependant avec le sourire des thèmes sérieux de grande pertinence. Trois précisions techniques. Vous pouvez suivre cette fête en français ou en anglais. Les supports de nos intervenants seront disponibles en téléchargement. Et si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, nous essaierons, comme l'année dernière, d'y répondre par écrit, dans un délai de réflexion raisonnable. Léonie Tchizik, un des plus grands pianistes de jazz vivant sur Terre, a coutume à dire avant chacun de ses spectacles: écoutez bien, parce que ce que vous allez vivre est unique et vous ne l'entendrez plus jamais. Il a aussi l'habitude de prévenir ses élèves qu'il ne leur apprenait pas à jouer du piano, mais qu'il leur apprenait la liberté. La liberté est essentielle, en jazz, dans les arts et aussi pour les scientifiques. Et la fête de la science est aussi une invitation à célébrer la liberté académique dans un monde où cela ne va pas toujours de soi. Alors, cette édition 2023 permet aussi d'exprimer un hommage à trois personnes disparues et qui auraient adoré contribuer à cette manifestation. Saint-Exupéry, dont Le Petit Prince fête cette année ses 80 ans, et qui m'a demandé d'annoncer Lison Penet, qui nous fera sourire, voire rire ou réfléchir de son art, car un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. James Wright Forster, ingénieur américain, qui a fortement contribué à la compréhension des systèmes dynamiques et conçu le modèle sous-jacent au rapport d'experts Limits to Growth en 1972. Toute sa vie, il a milité pour l'apprentissage de la pensée systémique. Enfin, Adrien Doisy, un des plus grands mathématiciens français du XXe siècle, réputé pour ses contributions significatives en topologie, en théorie des systèmes dynamiques, en théorie des nombres, mais aussi pour son célèbre Lapin. C'était aussi un grand amateur de musique. Il aurait adoré mettre l'agenda 2030 en formule et en notes, car le développement durable de la planète lui tenait tout particulièrement à cœur. Alors, l'édition 2023 innove avec le moment pivot du choix des livres. Les agriculteurs ont la terre dans leurs mains. Il y a un slide qui doit suivre. Le livre d'histoire des sciences Horizon, prochain slide, qu'un bienfaiteur inconnu nous a offert à l'issue de l'édition 2022, et je le remercie donc publiquement. Enfin, le nouvel album d'Astérix, L'Iris Blanc, qui sort tout chaud du four, qui vous est présenté sur ce slide. Ces livres excellents vous appartiennent. Ils seront offerts aux auteurs des trois meilleures questions dans le chat,
ce qui vous invite à signer vos questions avec votre adresse mail. Pour terminer, mentionnons que Rabelais était notre protecteur l'année dernière et restera protecteur honoraire jusqu'en 2030. Mais cette année, c'est son ami Jean de La Fontaine, forestier dans l'âme, pilier de la littérature mondiale de langue française, qui assumera cette fonction symbolique. La fable, le meunier, son fils et l'âne, édité en 1668, nous inspire cette grande sagesse. Parbleu, il est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde. C'est cette maxime que nous avions à l'esprit en construisant pour vous le programme de cette fête 2023. Rassurez-vous, tous les intervenants donneront leur meilleur d'eux-mêmes pour essayer de vous satisfaire. Madame l'ambassadrice, c'est à vous l'honneur d'ouvrir cette fête internationale de la science 2023. Merci beaucoup Raoul. Bonjour à tous, chers amis, collègues du monde entier. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui virtuellement en tant qu'ambassadrice représentante permanente de la France auprès des Nations Unies à Rome pour cette troisième édition de la Fête internationale de la science déclinée sur un triptyque romain: agriculture, alimentation, environnement. Les Nations Unies à Rome, ce sont trois organisations: la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le PAM, le Programme alimentaire mondial, et le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Nous avons initié cette rencontre annuelle, la Fête de la science, il y a 2 ans, à l'occasion du 30e anniversaire de la Fête de la science, créée en 1991 par le ministre français de la Recherche, Hubert Curien. Vos retours enthousiastes ont achevé de nous convaincre de l'utilité de ces rencontres, et particulièrement ici à Rome. Je remercie particulièrement les présidents et les experts des instituts de recherche français, CIRAD, INRAE, IRD, ainsi que les autres intervenants du CNES, de la FAO, du pôle de coordination des systèmes alimentaires et du Saint-Siège. Je remercie également nos artistes, le pianiste Timothée Mille, et puis la dessinatrice Lison Bernet, et puis bien sûr le conseiller scientifique de la mission française, Raoul Mille, l'artisan, l'âme de cette fête de la science. Cette troisième édition reste fidèle à l'esprit de la fête de la science. Et vous l'avez entendu, elle est placée cette année sous le patronage du grand poète français Jean de La Fontaine. Cet esprit de la fête de la science s'est procuré un espace de liberté, de curiosité et d'ouverture intellectuelle qui permet d'aborder, avec un recul dont nous n'avons pas toujours le luxe, les fondations scientifiques des enjeux qui sont traités dans les agences des Nations Unies à Rome. À cet égard, cette édition 2023 m'inspire quelques réflexions générales. En 2021 et 2022, nous avions échangé sur l'alimentation scolaire, l'agroécologie, l'agriculture numérique, la Grande Muraille verte ou encore le monde du microbiome. Des débats transversaux avaient aussi porté sur la diplomatie scientifique, l'appui aux politiques publiques, l'expertise scientifique collective et enfin l'éthique. Cette édition, cette année, est placée sous le thème de l'Agenda 2030, la boussole commune des Nations Unies pour le développement durable. Nous le savons, de nombreux facteurs sont susceptibles d'en compromettre la réalisation. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général des Nations Unies a organisé un sommet dédié à New York les 18 et 19 septembre dernier pour en accélérer la mise en œuvre. Chaque pays est responsable des mesures nationales qu'il prend à cet égard. Et chacun sera comptable devant ses citoyens, actuels et futurs. Les solutions retenues par chacun sont bien sûr diverses, adapté à chaque contexte national, comme on dit en langage onusien. Mais la science, elle est commune et elle est univoque.
Elle apporte aux décideurs politiques les données fondamentales qui éclairent ses choix. Et elle constitue, in fine, le baromètre et le juge de paix des engagements. Disant cela, je mesure pour autant que si la science est unique, les approches scientifiques, elles, peuvent être multiples. D'où l'intéressant jeu de singulier et de pluriel qui figure dans le libellé de cette édition de la Fête de la Science et qui, je n'en doute pas, animera vos échanges que je souhaite joyeux, libres, fructueux, selon l'esprit de la Fête de la Science. Je vous remercie et très bon débat à tous. Un très grand merci, Madame l'ambassadrice. Et si la technique nous suit, nous invitons Valérie Verdier, présidente directrice générale de l'IRD, d'ouvrir également cette troisième édition. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier au nom de l'IRD, du CIRAD et de l'INRAE, les organisateurs, Raoul en particulier, les intervenants et les participants nombreux qui nous suivent aujourd'hui de là où ils sont. En tant que présidente directrice générale de l'IRD, je suis particulièrement honorée que notre institut soit coordinateur de cet événement cette année, cette troisième édition de la Fête internationale de la science, comme vient de le rappeler Madame l'ambassadrice, porte sur la thématique transversale Science et Agenda 2030. Et c'est une thématique qui revêt une importance particulière à mi-parcours de cet agenda. Les conclusions du rapport mondial sur le développement durable 2023, qu'on nomme en anglais le GSDR, comme l'a dit Madame l'ambassadrice, a été rendu public en septembre dernier et il nous interpelle. Le message principal, c'est que des changements transformateurs profonds sont nécessaires pour nous mettre sur la voie de la durabilité. La science, elle a ce pouvoir transformateur et nous y mettons tous nos moyens pour parvenir à des résultats positifs. Donc cette édition de la Fête internationale de la science 2023, elle nous invite à nous projeter au-delà de 2030, autour d'une nécessité qui est fondamentale, c'est celle du maintien d'un outil de convergence des États pour assurer la durabilité du système Terre dans lequel nous vivons. Et c'est le rôle qui est assuré par l'agenda 2030 depuis son lancement. Donc, aux côtés de nos collègues aujourd'hui présents, nous menons en tant qu'institut de recherche des travaux qui sont co-construits avec nos partenaires au Sud et dans les territoires d'outre-mer pour apporter des solutions concrètes aux problématiques engendrées par les dérèglements du monde. Alors, l'agenda 2030, il est certes d'abord politique, mais la science, elle y joue un rôle fondamental. Tous les pays des Nations Unies ont soutenu la résolution de l'ONU qui était prise en septembre 2015, qui était intitulée Transformer notre monde, l'agenda 2030 du développement durable. Cette résolution prévoit une animation scientifique autour de sa mise en œuvre à travers des débats réguliers autour de la contribution attendue de la science, des technologies, de l'innovation et aussi la création d'un mécanisme de facilitation des technologies. Et en cela, cette Fête internationale de la science, elle joue tout son rôle. Pour l'IRD, cette mobilisation de l'institution et de ses chercheurs est un devoir. Nous y avons contribué de manière particulièrement importante avec la participation de l'IRD au panel qui a élaboré le premier rapport mondial pour le développement durable, c'était le rapport 2019. Ce rapport était important parce qu'il confirmait une chose essentielle, c'est l'importance d'une approche holistique par système des grandes problématiques actuelles, climat, alimentation, santé, biodiversité, inégalité, sécurité des peuples et paix. Les rédacteurs de ce rapport ont proposé une méthode, à savoir l'identification de points d'entrée, de points d'appui, de systèmes qui permettent réellement de transformer nos sociétés. Un des systèmes identifiés était le système alimentation durable. La pertinence de cette approche, elle a été confirmée 4 ans après par le rapport mondial sur le développement durable qui est donc paru en septembre 2023 et dont nous entendrons la présentation dans un instant. Et je profite de ce moment pour saluer et remercier Ibrahima Attié qui a accepté un défi important. C'est celui de présenter un travail de 224 pages
en 7 minutes en français. Donc, bravo par avance. Si le rapport de 2019, il avait mis en avant une manière différente de faire de la recherche, notamment dans le périmètre du développement durable, le rapport 2023 nous dit quoi? Il nous enjoint à développer une science qui soit encore plus inclusive pour renforcer le dialogue entre disciplines et améliorer et accélérer la réponse de la recherche scientifique dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Ce rapport, il me renforce vraiment dans l'idée qu'il faut conserver notre approche basée sur la science de la durabilité, tout en allant encore plus vite et plus loin, notamment dans notre dialogue avec les décideurs publics. Le changement de paradigme et les transformations concrètes que cela a supposées nous ont permis de renforcer notre modèle de partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud à travers une science interdisciplinaire, citoyenne, solidaire, ce mot est important, engagée pour l'atteinte des ODD. Olivier Dant, tout à l'heure, qui est directeur délégué à la science adjointe de l'IRD, nous fera lors de la première session une présentation de l'approche générale de la science de la durabilité et de ses principales méthodes, en insistant sur les opportunités et les défis pour le monde académique de participer au développement de solutions durables. En conclusion, je voudrais réaffirmer que l'état du monde nous impose d'accélérer la transformation de nos modes de vie, de nos méthodes de travail et de fonctionnement si nous souhaitons atteindre ou nous rapprocher des cibles que nous nous sommes fixées en 2015. Et s'agissant d'un sujet aussi complexe que le développement durable, nos établissements de recherche, en partenariat avec les universités, font déjà beaucoup, mais doivent redoubler d'efforts et d'innovations afin d'éclairer au mieux la mise en œuvre de cet agenda. Cela veut dire concrètement travailler sur les interfaces des 17 objectifs de développement durable, comprendre les difficultés de sa mise en œuvre, documenter les controverses, apporter des éléments scientifiques à des politiques publiques plus intégrées. Les principes aussi d'indépendance académique sont importants, tout en faisant évoluer ensemble nos pratiques. Cela suppose une collaboration et une co-construction accrue, une science plus ouverte sur la prise en compte des savoirs autochtones, des savoirs traditionnels, aussi de qui sont les bénéficiaires finaux de ce que nous faisons. Une science qui délivre des solutions concrètes. Enfin, et ce sera mon dernier mot, la communauté scientifique contribue aussi aux autres agendas multilatéraux. Je pense en particulier à la COP28 qui se prépare. Cette communauté doit aider à améliorer la cohérence d'ensemble de la coopération environnementale, agricole, climatique, sanitaire, avec toujours l'affirmation que des solutions efficaces aux défis qui sont complexes, aux défis complexes de notre temps, eh bien, ces solutions, elles ne pourront être trouvées que main dans la main, tous ensemble, où que vous soyez, avec les communautés scientifiques et en particulier celles des Suds. Je vous remercie et je nous souhaite à tous une fête internationale de la science festive, joyeuse et créatrice et porteuse de solutions. Merci de votre attention. Un grand merci Valérie et encore merci Céline. Nous allons passer sans transition à la première session Science et Agenda 2030. Il y a quelques problèmes techniques sur le canal anglais. Alors, c'est vrai, nous organisons une manifestation francophone, mais pas jusqu'à couper volontairement le son dans la version anglaise. Donc, on a un technicien qui travaille d'arrache-pied pour résoudre le problème. Il va y arriver. Alors, Ségolène Allais-Desfontaines, c'est à vous pour mener cette session, première session, Science et Agenda 2030. Ségolène, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les participants de cette fête internationale de la science 2023. L'agenda 2030 est un agenda universel qui engage tous les pays de tous les continents, comme cela a été rappelé. La communauté internationale s'est dotée de cet horizon partagé à 2030, mais en préparant déjà l'après et d'autres agendas internationaux très corrélés. Et effectivement, on pense à l'accord de Paris sur le climat, concourt à dessiner ce futur. La science ou les sciences, comme Madame l'ambassadrice l'a rappelé et comme le souligne le titre de cette session,
peut aider à atteindre, à accélérer l'atteinte de futurs désirables, malgré le temps qui presse et malgré les obstacles, comme les différentes crises qui jalonnent ce parcours. La science est en fait plurielle, à la fois par les sujets qu'elle traite, mais également par le comment. Elle permet de créer un langage commun. Elle permet aussi de faciliter la compréhension mutuelle et l'écoute réciproque nécessaire à l'expression des besoins, en aidant à diagnostiquer les états des lieux de façon compréhensive, à fournir des scénarios possibles et leur palette, à éclairer les chemins de transformation, à mesurer les progrès ou pas qui ont été parcourus, et le tout à différentes échelles pertinentes selon les besoins et les objectifs que l'on se fixe au niveau politique. Et enfin, elle permet d'accélérer les transformations. Elle peut aider à cela en changeant, pardon, elle-même pour avoir plus d'impact. On peut penser par exemple au laboratoire d'innovation territoriale ou Living Lab en anglais. Donc cette première session va permettre à des acteurs éminents de la science et des systèmes alimentaires, d'une part, de nous livrer une analyse sur les progrès et défis liés aux objectifs de développement durable de l'agenda 2030 avec le docteur Ibrahima Atié de l'IPAR, Initiative prospective agricole et rurale. Deuxièmement, de nous fournir des clés de compréhension sur ce que peut ou peuvent apporter là où les sciences au service de la durabilité avec le docteur Olivier Dang de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et enfin, de donner la parole à Sylvia Ekra du Pôle onusien des systèmes alimentaires pour réagir aux interventions des experts et partager avec nous son point de vue sur le rôle que peut avoir la science dans la transformation de ces systèmes alimentaires, ces systèmes qui embarquent les agricultures, les forêts, les ressources naturelles précieuses qui leur sont associées, comme les sols, comme l'eau, pour une transformation si centrale, réaffirmée dans les deux rapports globaux sur le développement durable de 2019 et 2023 pour les objectifs communs de l'agenda 2030, dont la sécurité alimentaire, la santé environnementale et plus largement la santé de notre planète. La parole est au premier intervenant, le docteur Ibrahima Atié, pour 6 ou 7 minutes. À vous. Merci à Ségolène. Je remercie aussi Raoul pour l'opportunité. Le rapport mondial sur le développement durable a été mandaté en 2016 pour assurer le suivi et l'examen de l'agenda 2030. Il informe le sommet sur les ODD et renforce aussi l'interface science-politique. C'est une évaluation des évaluations pour fournir un instrument basé sur les données probantes et soutenir les décideurs politiques. Il est rédigé tous les 4 ans par un groupe indépendant de 15 scientifiques nommés par le secrétaire général. Dans le processus du rapport, il y a des contributions mondiales qui sont sollicitées, notamment un appel à contribution. Il y a aussi des consultations régionales. Et surtout, il y a une évaluation par les pairs, cette année réalisée par le Conseil international de la science en partenariat avec des réseaux scientifiques. Alors, les conclusions du rapport comportent 3 parties. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et comment devons-nous procéder? L'état des lieux montre une stagnation face aux crises multiples. D'une part, on note un ralentissement ou une inversion des progrès réalisés. Il apparaît aussi des tendances négatives dans des domaines tels que l'action climatique, la perte de biodiversité et les inégalités. Et on conclut ici pour dire que si aucune action n'est prise, il faut s'attendre à de nouvelles crises et à un recul des ODD. Next slide. Il y a une prise de conscience des ODD, des engagements, des partenariats, des mécanismes institutionnels sont en hausse, mais souvent sans impact visible sur les performances. On note aussi quelques maillons faibles, notamment avec le financement.
le déclin de la coopération internationale et les problèmes de responsabilité mutuelle. Next. Alors, qu'est-ce que les scénarios nous apprennent? Dans un scénario de grande ambition, la plupart des objectifs auront progressé d'ici 2030 ou 2050. Ils seraient atteints même en 2050. Mais si nous l'on s'en tient au statu quo ou à des changements progressifs, les ODD ne seront pas atteints d'ici 2030 et même d'ici 2050. Donc, des transformations en profondeur sont nécessaires pour apporter des changements. Next. Quel cadre pour façonner l'avenir? Alors, next slide. Pour accélérer les progrès, il faudrait utiliser les liens entre les ODD en exploitant les synergies et en gérant les compromis entre les ODD. C'est ainsi qu'il faudrait effectuer des analyses contextuelles des liens entre les ODD afin d'orienter la définition des priorités. Il faudrait aussi favoriser une collaboration plus étroite entre la science et la politique et utiliser les outils scientifiques disponibles et surtout institutionnaliser les ODD dans les procédures d'évaluation de l'impact des politiques. Next slide. Le rapport 2023 préconise de travailler sur les 6 points d'entrée de la transformation qui avaient été proposés par le rapport 2019. Donc, au même moment où on travaille sur les innovations, les systèmes durables, il faudrait aussi travailler sur les systèmes non durables qui sont dominants. Dans le premier cas, nous avons en termes de processus l'émergence, l'accélération et la stabilisation, alors que pour les systèmes non durables, il faudrait des phases de déstabilisation, d'effondrement et de disparition progressive. Et ces stratégies, les stratégies pour les ODD doivent minimiser les obstacles et soutenir les solutions prometteuses qui sont spécifiques à chaque phase de transformation. En combinant de manière stratégique les leviers, on permet d'avoir des solutions pour passer de l'émergence à l'accélération et à la stabilisation. Prochaine slide. Les transformations sont liées. Vous voyez les différents points d'entrée ici, mais ils sont liés. Et les différents systèmes sont liés, ce qui fait que il faudrait des actions cohérentes pour générer des stratégies et essayer de gérer les compromis. Prochaine slide. Le cadre d'analyse propose de conduire la transformation à travers ces phases-là. Est-ce que vous pouvez retourner en arrière sur une slide que vous avez sautée? Voilà, les stratégies pour les ODD doivent minimiser ces obstacles et soutenir les solutions prometteuses. Et il faudrait des combinaisons pour cela. Donc, allez-y, prochaine slide. Donc, il y a eu un appel à l'action pour les gouvernements notamment, pour établir un cadre de transformation des ODD pour accélérer l'action. Et là, on demande aux États membres d'établir des plans nationaux qui donnent la priorité aux principaux ODD, mais en s'attaquant aux ODD par système et en essayant de s'attaquer à ces goulots de tremblement. Établir une feuille de route pour les entreprises et les collectivités et surtout fournir des financements en intégrant les ODD dans les budgets. Il faudrait renforcer les capacités parce que la prise en compte de ces systèmes nécessite des capacités en prospective, en engagement public, en compétences en matière de négociation, etc. Mener la transformation tout au long de ces phases et gérer les liens entre les différentes phases. Et dans ce cadre, l'identification de ces points d'entrée et l'utilisation de la science pour évaluer les liens et les retombées internationales est crucial. Il faudrait aussi améliorer les conditions sous-jacentes à la mise en œuvre conclusion. Des ODD. Il faut surtout travailler avec la science et investir dans la recherche sur l'évaluation. En conclusion, nous pensons qu'un meilleur avenir est possible, mais il ne doit pas reposer sur une seule source de sécurité. Il faut prendre en compte toutes les sécurités énergétiques, climatiques, hydriques, etc. Et prendre les choses de manière collective, de la manière la plus judicieuse possible. Et surtout, nous pensons que l'agenda 2030 est encore pertinent et il faudrait travailler dans ce sens-là. Je vous remercie.
Je vous remercie, docteur Attier, et je suis impressionnée. Vous avez réussi à relever le défi de présenter de façon très claire et synthétique, avec concision, cet important rapport. Et je passe sans plus tarder la parole à l'intervenant suivant, le docteur Olivier Dangle, pour un exposé sur la science de la durabilité. La parole est à vous, Olivier Dangle. Merci bien. Diapositive suivante. Suivante. Je vais donc commencer par vous présenter la suivante, s'il vous plaît. Je vais donc commencer par vous présenter une définition de la science de la durabilité qui a été réalisée par l'UNESCO justement à la sortie même en 2015 du plan des ODD, de l'agenda 2030. C'est donc une série d'activités d'enseignement et de recherche qui génèrent des connaissances, connaissances avec un S, je veux dire des connaissances à la fois académiques et non académiques, et des technologies nouvelles, de l'innovation, qu'elles soient technologiques ou sociales, et une compréhension globale, donc le mot global, le mot holistique, qui est important, sous forme de système, comme l'a rappelé Raoul, permettant aux sociétés, donc vraiment une approche qui est problem-based par rapport aux problèmes des sociétés, de mieux relever les défis de durabilité au niveau mondial et local. On voit ici l'importance vraiment d'avoir ces deux échelles qui sont cruciales pour la compréhension notamment des ODD. Et si on regarde la littérature qui a été faite durant ces 20 dernières années, puisque c'est une science qui déjà est en plein mouvement, on voit que globalement, elle se concentre autour de trois grands défis, celle de comprendre, notamment de comprendre les socio-écosystèmes et la résilience, l'adaptation de ces systèmes, celle de co-construire aussi, donc il y a un défi important en termes d'interdisciplinarité, mais aussi de comprendre épistémologique des différents termes entre les disciplines. Et enfin, on l'a rappelé durant ces différentes premières discussions, de transformation, avec notamment des aspects d'éducation, de compréhension, de transformation et de transdisciplinarité, c'est-à-dire une disciplinarité qui va au-delà du monde académique. Suivante. Alors, je vais vous présenter dans cette très courte présentation quatre grands axes de la science de la durabilité pour illustrer un petit peu ces journées de la science et voir comment elles peuvent répondre véritablement à l'agenda 2030. C'est d'abord une science des socio-écosystèmes, depuis la planète jusqu'au territoire, donc il y a un enjeu de transition d'échelle. Une science des ODD, on est vraiment sur de l'agenda et on essaye de mieux comprendre ces problèmes pernicieux qui composent les ODD. Une science de l'innovation technologique et sociale, et enfin une science des solutions et des transformations. Suivante. Alors, pour ce qui concerne la science des socio-écosystèmes, un des grands enjeux de la science de la réalité, c'est de trouver des concepts et des méthodes qui permettent de relier, en fait, les échelles globales et les échelles locales. Alors, il existe plein de concepts qui ont été développés. Un est celui du donut, hein. Le donut définit, en fait, un espace écologiquement sûr et socialement juste entre un anneau intérieur qui présente les 12 éléments essentiels à la vie dont personne sur la planète, en fait, ne devrait être privé, et un anneau extérieur qui décrit 9 limites planétaires que l'humanité ne doit pas dépasser collectivement. Alors, ce qui est intéressant avec ce donut, c'est qu'il permet de revisiter en fait notre vision internationale des enjeux du développement, parce qu'on classe généralement les pays sur des bases économiques, hein, les pays en voie de développement et les pays dits développés. Et en fait, quand on les classe sur ces deux axes, qui sont un, les limites planétaires, et deux, les seuils sociaux, on se rend compte que les différents pays en fait sont face à un même challenge qui est celui de converger en haut à gauche du graphique vers un espace où on dépasse très peu de limites planétaires et en même temps où on atteint des seuils sociaux. Et on peut voir sur ce graphique que le pays qui serait le plus développé, entre guillemets, vers la durabilité serait dans ce cas-là le Vietnam. Et ce qui est intéressant avec ce donut, c'est qu'on peut aussi l'appliquer au niveau local. Par exemple, la ville d'Amsterdam a depuis 5 ou 6 ans développé une véritable réflexion sur l'adaptation de ce donut à un niveau local. Suivante. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est donc cette science des ODD. Et ce qui est vraiment très important, c'est de penser en nexus, comme l'a très bien dit Ibrahim, et aussi d'éviter l'ODD washing. Les icônes des ODD ont cela de très intéressant, c'est qu'ils sont très, très jolis, très faciles à mettre dans des papiers par les scientifiques. Et quelquefois, on manque un peu de réflexivité par rapport à ça. Et je voudrais vous présenter deux exemples pour montrer cette science de la durabilité. Le premier, c'est une carte où vous pouvez voir en bleu foncé les régions d'Afrique où on a à la fois une forte utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides et en même temps de capture de poissons dans les eaux intérieures. Et en fait, on a des régions qui présentent un potentiel accru de pêche au filet avec des moustiquaires et de conflits du coup entre des ODD de lutte contre le paludisme, qui sont l'ODD 3, et la sécurité alimentaire, l'ODD 2, via les poissons, et aussi l'utilisation durable des écosystèmes, puisque ces systèmes en poissons très diversifiés avec des espèces endémiques. Donc on voit ici comment les ODD et la science peuvent permettre de comprendre ces enjeux entre ODD.
Deuxième exemple, celui des pêches durables et notamment la création d'aires marines protégées. On peut aussi là coller le sticker 14 des ODD, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'aller voir chacune des cibles en fait de ces ODD que beaucoup de chercheurs malheureusement ne connaissent pas. Et on voit à ce moment-là qu'on doit vraiment attaquer ce problème des aires marines protégées en prenant en compte les aspects de pollution chimique, des aspects sociaux, des aspects juridiques, des aspects technologiques pour avoir une vision holistique de la compréhension et de la mise en place de ces zones marines protégées. Suivante. Le troisième point, c'est celui de la science de l'innovation technologique et sociale. Je pense vraiment que l'intelligence collective, c'est le défi du 21e siècle. On doit essayer de trouver ce code de la collaboration tel qu'il était écrit sur cette une du Harvard Business Review entre l'ibis et la tortue. Et comment on fait ça? Beaucoup de recherches aussi qui se font à l'heure actuelle en sciences de la durabilité pour essayer de comprendre ces mécanismes de coproduction de savoir. La plupart du temps, on considère qu'ils doivent être basés sur des contextes très précis, donc dans des régions données, qui doivent être goal-oriented, donc vraiment avec une définition très concrète entre les différents acteurs de la cible qu'on veut atteindre, donc c'est vraiment une science qui est problem-based, qu'elle doit être pluraliste, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte vraiment une grande quantité de points de vue, une à la minute fois des pour points de vue conclure. Scientifiques, mais aussi politiques et scientifiques, et enfin, elle doit être interactive. Suivante. C'est une science aussi des solutions et des transformations. On doit renforcer vraiment l'interface science-décideur-société. C'est ce qui a été dit notamment dans le GSDR. Et là, on va insister sur le comment on fait. Il y a beaucoup de rapports qui existent sur ce how we are doing. On voit qu'il va falloir faire de la participation, de l'apprentissage, de la négociation, de l'adaptabilité. Et on doit vraiment, nous chercheurs, se poser dans une posture de réflexivité, d'étude de ce sujet des groupes, de facilitation, de réflexion sur le changement. Et on l'a dit aussi sur les Living Labs. Dernière diapositive. Donc, le take-home message pour moi, c'est vraiment de repenser le monde académique pour l'agenda 2030. Il faut qu'on change notre manière de faire. Il y a des papiers qui réfléchissent à ça. Je vous laisse réfléchir un peu plus longuement sur ce papier à droite, mais deux préfaces très importantes dans les journaux Nature et Science. Revoir notre façon dont on définit l'excellence scientifique, quelles sont vraiment l'étendue qu'on doit avoir pour cette définition. Et enfin, peut-être aussi revoir la façon dont on fait la recherche. La recherche ne doit pas être seulement flashy, mais elle doit être aussi utile. Merci. Merci beaucoup, Olivier Dangle, pour ce panorama complet et qui inclut y compris la façon dont le monde académique doit se réinterroger pour plus d'impact dans la réalisation des objectifs de développement durable. Et maintenant, j'invite Sylvia Ekra du Pôle onusien sur les systèmes alimentaires à nous partager ses réactions et nous donner, partager son point de vue, donc point, notamment du point de vue de la transformation des systèmes alimentaires, dont on a vu qu'ils étaient parmi les systèmes centraux à transformer pour l'atteinte des ODD. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette réflexion à l'occasion de la fête de la science. J'aimerais rapidement réagir aux deux excellentes présentations que nous avons eues d'Ibrahima et Olivier Dangle, et un grand bonjour à Ibrahima avec qui nous avons beaucoup collaboré au cours de cette année. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'agenda 2030, je pense que les intervenants avant moi et Madame Verdier en ont énormément parlé, donc je ne vais pas trop m'attarder pour gagner du temps, mais je voudrais revenir sur la question du bilan à mi-parcours, qui est effectivement très inquiétant, avec seulement 15% des ODD qui sont sur la voie d'être réalisés en 2030, et nous avons entendu Ibrahima nous dire qu'à toute chose égale, peut-être même qu'en 2050, nous ne pourrions pas avoir réalisé l'intégralité de l'agenda, considérant les reculs auxquels nous faisons face. Mais j'aimerais aller un petit peu plus dans le détail en ce qui concerne les systèmes alimentaires, la slide suivante, s'il vous plaît, parce que nous avons en fait cette tendance souvent de penser à l'ODD2 quand nous pensons système alimentaire. Et en fait, les systèmes alimentaires non durables que nous avons actuellement sont vraiment connectés à tous les ODD. Si nous regardons l'ODD1, par exemple, qui est celui sur la pauvreté, nous savons que les ménages des travailleurs agricoles représentent jusqu'à 2/3 des personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde. Et c'est un ODD, c'est connecté à l'ODD1, mais aussi à l'ODD5 sur l'égalité des sexes, à l'ODD8 sur le travail décent, à l'ODD10 sur les inégalités. Et donc, nous avons une forte influence, en fait, de la pauvreté des travailleurs agricoles sur ces ODD-là. En ce qui concerne l'ODD 2, zéro faim,
Nous connaissons les chiffres très préoccupants actuels avec le nombre de personnes confrontées à la faim et à la sécurité alimentaire qui augmente depuis 2015 et aussi le nombre de personnes qui ne peuvent pas se nourrir sainement qui ne cesse d'augmenter. L'ODD 6 sur l'eau, la question de stress hydrique est une question très préoccupante pour beaucoup de pays. L'agriculture continue d'utiliser 70% de l'ensemble des prélèvements d'eau douce. ODD 12 sur la consommation durable, un tiers de la nourriture qui est produite au niveau global est soit gaspillée, soit perdue. ODD 13, beaucoup plus connu sur la lutte contre les changements climatiques avec les systèmes alimentaires non durables qui contribuent à plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vraiment un message, je pense, qui a été déjà donné par Ibrahima, mais sur lequel je voudrais revenir, c'est de penser sur l'entièreté de l'agenda 2030 lorsque l'on pense au système alimentaire et pas seulement à l'ODD 2. Slide suivante. Donc, ça a été déjà dit par Ibrahima, par Madame Verdier, en 2019, les systèmes alimentaires, la transformation des systèmes alimentaires a été reconnue comme un des points d'entrée pour nous permettre obtenir un progrès qui soit à l'échelle et à la vitesse nécessaire pour réaliser les objectifs de développement durable d'ici à 2030, avec les leviers que Ibrahima nous a présentés. Et donc, 2023, cette année, nous avons la confirmation de ces 6 points d'entrée, l'addition du renforcement des capacités comme levier. Et je pense que le lien entre la science, qui était déjà un levier, et ce renforcement des capacités est extrêmement important, j'y reviendrai plus tard. Et donc, nous avons en 2021 le sommet sur les systèmes alimentaires qui était une façon d'élever la visibilité internationale de ce point d'entrée. Cette année, nous avons eu un bilan à Rome au mois de juillet avec beaucoup d'entre vous qui étaient parmi nous. Et donc, vraiment, cette cristallisation de l'idée que nous ne pouvons pas réaliser l'agenda 2030 dans son entièreté d'ici à l'horizon 2030 sans transformer nos systèmes alimentaires. D'où la création du pôle. Pour conclure. Merci Raoul, je me dépêche. La slide suivante, donc d'où la création du pôle et le pôle qui embrasse cette idée du rôle de la science et qui organise des dialogues entre la communauté scientifique et les coordonnateurs nationaux qui sont les gardiens de ce cheminement vers des systèmes alimentaires plus durables au niveau des pays. Donc, nous avons mis en place un comité consultatif scientifique avec 33 scientifiques venant du monde entier, y compris Jean-François Souzana de l'INRAE. Ces dialogues nous ont permis de nourrir notre réflexion sur le rôle de la science pour la transformation des systèmes alimentaires. Je ne m'attarde pas, vous aurez le matériel à disposition. Slide suivante. Lors du bilan, donc du suivi du sommet en juillet dernier, une table ronde avait été spécifiquement organisée sur le rôle de la science pour nous permettre aussi de nourrir notre réflexion sur les contributions que la communauté scientifique pourrait faire d'ici à l'horizon 2025 quand nous aurons le suivi du sommet à 4 ans plus tard. Donc, le rôle de la science tel que proposé par le pôle, slide suivante. Nous avons beaucoup entendu parler, notamment lors de la présentation d'Olivier Dangle, de cette science de la durabilité. L'approche systémique qui est vraiment au cœur de l'agenda 2030, c'est une chance, mais c'est aussi une difficulté. Je pense que la complexité qui vient avec la compréhension des interactions, la compréhension des compromis, la compréhension des synergies a besoin d'être beaucoup plus profondément analysée et transmise de façon intelligible aux décideurs et aux coordonnateurs nationaux. La question des solutions, nous avons des solutions innovantes telles que l'agroécologie qui va être présentée plus tard, mais aussi comment mieux intégrer les connaissances traditionnelles. La collecte des données, y compris au niveau sous-national, et bien évidemment, la diplomatie scientifique, les partenariats et la collaboration dans un contexte, comme nous l'a dit Ibrahima, d'une collaboration qui est en déclin. Et donc, le rôle de la science est vraiment multiple à tous les niveaux, au niveau global, au niveau régional, au niveau national. Mon encouragement, ce serait vraiment d'entrer dans une relation de proximité avec les coordonnateurs nationaux et
au niveau du pôle, nous nous réjouissons de pouvoir permettre une collaboration beaucoup plus accrue entre les scientifiques du GSDR, entre les scientifiques de notre comité consultatif, les scientifiques des nombreux instituts à travers le monde pour pouvoir mieux accompagner les coordonnateurs nationaux pour une approche systémique. Je m'arrête là et je serai ravie de pouvoir contribuer au débat qui va suivre. Merci. Merci beaucoup Sylvia et Kra. Nous avons de nombreuses questions et le modérateur m'a dit que nous pouvons en prendre deux, mais très brèves peut-être. La première s'adresse peut-être à Ibrahima Atié. Eu égard à la dégradation des écosystèmes, y compris agricoles, est-ce que les impacts de santé humaine, en santé humaine, du non-respect des ODD de l'agenda 2030 ont été évalués? Première peut-être question pour Ibrahima Atié ou Sylvia Ekra ou Olivier Dianck, si vous souhaitez aussi intervenir. Merci Ségolène. Pour ce qui concerne le rapport mondial, le GSDR, comme c'est une évaluation des évaluations, nous avons pris une approche qui faisait d'abord le bilan de l'état d'avancement des ODD. Nous avons essayé de regarder plus sur l'avenir. Comment nous pouvons travailler pour transformer les différents systèmes. Et l'essentiel de la réflexion était plutôt autour de cette méthodologie de transformation. Donc voilà très brièvement la réponse que j'ai. Merci beaucoup, Dr. Atié. Et peut-être une seconde question dont j'ai conscience qu'il est difficile d'y répondre de façon concise, mais Madame Sylvia Ekra, diriez-vous que le monde académique est sur la bonne voie pour accompagner cette transformation des systèmes alimentaires et que verriez-vous, quel rôle pourrait-il et quelle initiative pourrait-il prendre pour faire entendre les besoins ou l'expression ou aider à se repérer dans les priorités? En gros, que verriez-vous, que conseilleriez-vous au monde académique pour jouer plus pleinement son rôle? Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question effectivement extrêmement importante parce qu'il y a peut-être un peu plus à faire en termes d'engagement précoce avec les praticiens et avec les décideurs politiques pour assurer une appropriation vraiment des fruits de la recherche. Je pense qu'une traduction des résultats et des données scientifiques en termes beaucoup plus accessibles aux décideurs politiques, une connexion aussi avec l'agenda politique. Et donc, c'est vraiment tout ce travail de retranscription de ce que la science nous apprend d'une façon qui est immédiatement transmissible dans le travail, pour le travail sur le terrain. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, un engagement précoce, une traduction des données scientifiques, la collecte de données additionnelles, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous avons à apprendre en termes des interactions entre les différents systèmes et d'interactions entre, je pense que le rapport GSDR en parlait, de spillover effect, c'est-à-dire l'impact d'événements qui se passent en dehors des pays respectifs, mais qui ont un impact sur la trajectoire de développement de ces pays. Merci. Merci beaucoup Sylvia Ekra et encore infiniment merci à nos trois orateurs et je cède la parole à notre chef d'orchestre et pour la session suivante. Merci encore. On va respecter le timing en fait global, mais on aura peut-être la possibilité à la dernière session de revenir encore en question sur cette première session. Selim, j'espère que tu es là. Oui, vous m'entendez? C'est à toi. Oui, bonjour Raoul et merci. Bonjour à tous, bonjour Madame l'Ambassadrice, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et les délégués présents et tous les participants. Donc, on se tourne maintenant sur la question du partenariat qui est au cœur de la réalisation des objectifs du développement durable et qui est même un objectif en soi au sein des ODD. Et la raison en est simple, comme ça a déjà été rappelé, aucun acteur pris isolément ne peut à lui seul, évidemment, prétendre résoudre ces défis immenses dont à la fois la complexité et la portée globale justifient justement la nécessité de s'engager dans une logique
collaborative, mais évidemment, toutes les collaborations ne se valent pas et peuvent fortement varier en fonction du type d'acteurs qui sont impliqués, de leur portée géographique, des objectifs et des thématiques qui sont adressées, et aussi qui est à l'initiative de ces collaborations et leur degré de proximité, à la fois avec la réalité des expériences vécues sur le terrain par l'ensemble des acteurs et la décision politique, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Donc, parmi ces modalités, certaines se démarquent particulièrement par justement leur ambition, leur portée globale et leur volonté d'apporter une contribution concrète de la science à la résolution de certains des objectifs du développement durable, dans une volonté justement affirmée de jouer ce rôle un peu d'interface entre science, pratique et réalité vécue et décision publique. Et nous allons donner donc la parole successivement à quatre d'entre elles qui couvrent des domaines aussi différents que la santé des sols, la prévention des zoonoses, l'agroécologie ou encore l'observation spatiale du climat, pour qu'ils nous exposent les enjeux, les méthodes et les résultats de ces initiatives. Et je passe immédiatement donc la parole à Monsieur Paul Lu pour l'initiative 4 pour 1000. Deux secondes, juste Paul, un tout petit instant. Alors, je rassure tout le monde, Selim n'est pas un fantôme, c'est bien un collègue en chair et en os, mais il essaiera de régler sa caméra pour que… Pardon, excusez-moi, j'avais mis l'occulteur de caméra et que j'avais oublié de remettre, suis désolé. Paul, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci donc, je vais, Paul Lu, secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000, je vais essayer en quelques minutes de vous présenter notre vision par rapport à l'agenda 2030 et l'importance des sols dans cet agenda. Slide suivant, s'il vous plaît. Lorsqu'on regarde ce qui nous est proposé par le partenariat mondial sur les sols, on s'aperçoit que beaucoup d'ODD tiennent directement, doivent prendre en compte, comme prérequis les sols dans la façon de les atteindre. Et on voit ici sur cette slide que beaucoup d'ODD sont cités, beaucoup sont cités aussi deux fois, on en a principalement cette slide suivante. Et lors d'une autre présentation du partenariat mondial sur les sols, on s'aperçoit que sept de ces ODD sont plus particulièrement concernés de façon directe par les sols, et un nombre non négligeable, en fait la quasi-totalité des autres, sont concernés indirectement par ces sols. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on peut résumer le fait que, au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure sur la contribution des food systems, et qu'effectivement, les sols sont derrière les food systems et donc la production alimentaire, on a les sols au niveau de la vie sur Terre, au niveau de la santé, de la faim dans le monde, de l'action sur le climat, de la consommation responsable et de la production, et puis aussi d'autres ODD de façon indirect. Slide suivant, s'il vous plaît. Les objectifs de l'initiative 4 pour 1000, qui réunit près de 800 acteurs au niveau mondial, que ce soit des organisations internationales, des pays, des institutions de recherche, des entreprises, des ONG ou des organisations de producteurs agricoles, a pour objectif donc de séquestrer le carbone dans les sols via des pratiques agricoles adaptées pour améliorer la sécurité alimentaire, adapter l'agriculture au changement climatique et contribuer à atténuer le changement climatique, le tout bien sûr dans le respect des ODD. Slide suivante. Et en fait, lorsqu'on s'en rapproche un petit peu plus près, on voit que on traite trois principaux ODD, ceux qui sont au centre, et indirectement deux autres, avec un troisième sur les partenariats internationaux. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des sols sains et riches en carbone? Parce que lorsque on augmente la quantité de carbone dans les sols, eh bien, on en enlève à travers les plantes de l'atmosphère, donc on lutte contre le changement climatique. On permet au sol d'être plus résilient en termes de capacité de rétention d'eau et de sensibilité à l'érosion. Et donc, cette résilience permet aux agriculteurs de mieux supporter les changements climatiques et enfin de permettre une stabilisation et une augmentation des rendements et la restauration des sols dégradés. Slide suivante. D'un point de vue scientifique, lorsqu'on installe de l'agriculture sur un sol vierge, on va faire décroître cette quantité de matière organique si les pratiques ne sont pas adaptées. Et ce que nous proposons, c'est de revenir à des pratiques adaptées qui vont permettre de remonter dans la zone rose puis la zone verte pour retrouver un potentiel maximum de carbone dans les sols. Slide suivante.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons un certain nombre de techniques et de pratiques que nous connaissons, que nous maîtrisons, qui sont capables d'aller dans ce sens-là. Tout dépend bien sûr de l'endroit, du climat, du sol, de la disponibilité de biomasse et de l'eau, mais on peut agir dans ce domaine-là. Slide suivante. Et s'il nous faut agir d'une façon générale en réduisant l'utilisation des engrais minéraux et des produits phytosanitaires tout en augmentant la biodiversité et le carbone organique des sols, on s'aperçoit que l'agriculture conventionnelle nous place dans une impasse pour l'instant en bas à gauche de mon schéma et qu'on devrait plus s'inspirer des écosystèmes forestiers naturels qui sont les plus complexes à travers un mouvement agroécologique qui, heureusement, contient déjà toutes les pratiques agricoles dont nous avons besoin pour faire avancer cette évolution souhaitée, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, cette vision est un petit peu différente de celle qui vous sera présentée par mon collègue Oliver de la coalition agroécologie, mais on se rejoint sur beaucoup de points. Slide suivante. Au-delà des ODD, nous avons aussi dans le domaine international des conventions sœurs issues du sommet de Rio qui travaillent aussi sur ces sujets-là. Et on s'aperçoit que la convention désertification parle beaucoup de terre et assez peu de sol, même si les deux sont liés, et qu'elle n'est pas très couverte médiatiquement. Celle sur le changement climatique, qui elle est beaucoup plus couverte médiatiquement, commence à bien comprendre que l'agriculture est un des facteurs du changement, au-delà, donc à travers les food systems, de la lutte contre les changements climatiques. Et enfin, la Convention biodiversité, qui, lors de sa dernière réunion à Montréal, a montré que l'agriculture conventionnelle était vraiment le problème avec la déforestation qui affectait la biodiversité mondiale et sur laquelle il fallait agir, avec des mentions sur la santé des sols et l'agroécologie. Donc, on commence à avoir une prise de conscience, mais il faut que cette question de la santé des sols remonte haut dans l'agenda. Slide suivante. Donc, en termes de conclusion, suivant, en fait, si on devait retenir quelque chose de ce que je viens de vous dire, il faudra retenir le fait que nous devons travailler sur des sols sains, car ces sols riches en carbone permettent de lutter contre les changements climatiques. Ces sols riches en matière organique représentent la vie dans les sols et la vie au-dessus des sols. Donc là aussi, on doit agir dessus. Ces sols riches en matière organique sont aussi des sols qui vont permettre de restaurer les sols érodés et qui vont aussi permettre d'éviter une trop grande érosion et une sensibilité à la sécheresse, et donc lutter contre la désertification. Et enfin, ce sont des sols qui sont fertiles et qui permettront d'avoir une production agricole permettant d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et la diversité des systèmes alimentaires. C'est donc, les sols sains sont des sols, c'est donc le point de départ indispensable à toute action nationale, internationale et régionale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lu. Et je voyais juste le livre que donc Paul, avec une collègue, a coécrit. Et on remercie à tous ceux qui posent des questions dans le chat de bien mettre leur adresse email en même temps, parce qu'un des livres est mis en cadeau pour une question qu'on trouvera la plus pertinente. Merci, merci Raoul. Et donc merci Monsieur Lu pour cette présentation très intéressante, et je passe la parole sans plus tarder, sans transition, à Manon Lounas pour nous parler de l'initiative internationale Présode sur la prévention des zoonoses. Bonjour à toutes et à tous, et merci Céline pour cette introduction. Donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui l'initiative Présode, et plus spécifiquement un exemple de coopération une seule pour prévenir les émergences des zoonoses. Diapositive suivante. Donc, Présode est une initiative internationale qui est portée par la science et qui a une vision simple mais néanmoins ambitieuse. Donc, un monde où le risque de nouvelles pandémies zoonotiques est réduit, où les pratiques de gestion des terres sont durables tout en préservant la sécurité alimentaire, des régimes alimentaires sains et les moyens de subsistance grâce à la coordination de programmes de recherche, au partage de connaissances et à la mise en œuvre de politiques opérationnelles efficace et pertinente. Donc, à la lecture de cette vision, merci. À la lecture de cette vision, on comprend qu'elle ne sera atteignable que par la mise en place d'une approche une seule santé, donc telle que définie par l'OLEP et représentée ici, donc qui vise à sortir de la logique des silos en décloisonnant les disciplines pour mieux saisir les liens qui unissent la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes, mais aussi la santé planétaire. Donc, à savoir le dérèglement climatique, la production durable d'aliments ou encore la réduction de la pauvreté. Next slide.
Donc pour cela, Prédote s'articule autour de cinq piliers basés sur la science allant de la compréhension des risques d'émergence zoonotique au renforcement des systèmes de surveillance du local au global, et tout ceci en engageant et en unissant sur le terrain les porteurs d'enjeux clés autour de la problématique des zoonoses, donc comme des vétérinaires, des médecins, des biologistes, les communautés locales, les décideurs politiques, afin de co-construire des solutions pour prévenir le risque d'émergence. Next slide. Diapositive suivante. Donc cette ambition nécessite la construction d'un partenariat solide, international, multisectoriel et multiacteur. Et donc pour cela, dans le cadre de l'initiative Présone, nous avons organisé 27 ateliers participatifs, donc rassemblant un pool de plus de 1500 contributeurs venant de 122 pays et rassemblant des disciplines très variées. Donc la volonté de Présode étant de promouvoir des approches du local au global afin de capitaliser sur l'expérience et la connaissance des personnes au contact des fronts d'émergence zoonotiques. Et donc cette communauté de savoir et de pratique a permis de co-construire l'agenda stratégique de Présode, qui représente la première feuille de route sur les grandes actions à mener pour prévenir les prochaines pandémies. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc à ce jour, l'initiative Présode compte plus de 230 institutions membres dont 25 pays. Diapositive suivante. Et donc ce réseau de membres s'appuiera d'ici 2030 sur un cadre commun pour mettre en œuvre et coordonner des projets de recherche, des systèmes de surveillance et des projets opérationnels afin de maximiser leur impact, une plateforme pour le partage de données et des connaissances, et un centre de ressources pour la prise de décision afin de soutenir des choix et des politiques publiques fondées sur des preuves scientifiques visant à réduire le risque d'émergence de zoonoses. Diapositive suivante. Et encore celle d'après, comme ça on gagne du temps. Voilà. Donc, les actions concrètes de l'initiative Présode s'appuient sur six grands volets. Donc, le premier volet étant la science, et pour cela, donc nous avons mis en place des groupes de travail. Deux gros programmes de recherche ont été lancés et donc nous prévoyons de réviser l'agenda stratégique et nous prévoyons aussi des publications scientifiques. Nous avons aussi le volet communication avec la publication de tribunes internationales, la participation à des événements de haut niveau. Nous avons aussi un volet labellisation, donc c'est un processus de labellisation des projets et programmes de recherche qui sont en lien avec les thématiques de Présode, pour créer encore une fois cette communauté de savoir et de pratique. Ensuite, le secrétariat international s'est mis en place avec donc l'arrivée de notre secrétaire général Ziv Noga. Et donc ce secrétariat va appuyer toutes les actions concrètes de l'initiative. La gouvernance aussi s'est mise en place donc avec un comité de pilotage international, l'Assemblée générale, et donc ce comité de pilotage international sera agrandi avec un comité des bailleurs et des plateformes Une seule santé internationale. Et enfin, un point important, le partage des données avec le développement d'un prototype de plateforme qui viendra. Next slide, please. OK. Donc, je finirai en remettant en perspective cette initiative donc, par rapport à l'agenda 2030, évidemment. Donc, la mise en place de ces actions, parce qu'elles touchent différents secteurs et disciplines, travaillent sur les interfaces entre ces 17 objectifs et contribueront de façon globale à l'agenda. Donc, outre l'ODD 17 qui fait l'objet de la session aujourd'hui et l'ODD 3 qui est évidemment sur la bonne santé et le bien-être qui sera directement impacté par la mise en place de solutions pour prévenir les zoonoses, Présode promeut la co-construction de socio-écosystèmes, donc tels que définis par Olivier Dangle tout à l'heure, qu'ils soient terrestres ou donc impliquant des mesures de conservation des écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, la mise en place d'actions pour prévenir le changement climatique qui impacte directement l'émergence des zoonoses, ou encore le développement d'une agriculture durable tout en assurant la sécurité alimentaire. Donc ces actions ne pourront être implémentées que si elles n'impactent pas négativement la stabilité économique et sociale des sociétés humaines. Donc évidemment, il faut promouvoir des actions qui sont réalistes et qui sont applicables dans les sociétés humaines, et donc ce qui force à avoir une réflexion systémique qui est aussi celle qui est au cœur de cet agenda 2030. Et enfin, je conclurai
en disant donc que les approches une seule santé au cœur de Prévost sont nécessaires pour une transformation profonde de la société et des professionnels. Le partenariat international, mais aussi du local au global, est un élément clé pour prévenir efficacement et durablement l'émergence des zoonoses. Donc cela permet de porter une vision commune, de maintenir un dialogue science-état-société permanent. Et un point qui est important, c'est que monter ces partenariats de confiance prend du temps et doit être coordonné. Enfin, il est de s'appuyer sur la science pour co-construire des actions concrètes de prévention qui seront durables à échelle locale, régionale et globale. Et donc, ces transformations profondes qui sont portées par Prévost sont aussi au cœur de cet agenda 2030. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations. Merci beaucoup Manon. Et donc je passe la parole maintenant à Oliveros pour nous parler de la coalition agroécologie. Merci beaucoup Céline, merci à tous, bonjour, merci de m'avoir invité pour cet événement suivant. Vous le savez tous et vous avez tous entendu, nos systèmes alimentaires essentiels à l'existence humaine ressentent de plus en plus les effets du changement climatique. Nos systèmes alimentaires, paradoxalement, sont également responsables d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais de plus, certaines pratiques agricoles perpétuent la perte de la biodiversité, la pollution environnementale et la dégradation du sol, et ainsi que l'épuisement de ressources en eau. La précarité des moyens de subsistance et les inégalités sociales auxquelles sont confrontés de nombreux agriculteurs et travailleurs du système alimentaire exacerbent les difficultés à assurer une nutrition adéquate pour tous. Suivant. Nous avons besoin d'un changement profond. Les documents de référence scientifiques et politiques mondiaux mentionnent et reconnaissent l'agroécologie comme un levier puissant pour transformer nos systèmes alimentaires actuels. Suivant. Mais nous ne voyons pas la transformation que nous souhaitons parce qu'elle est empêchée par de nombreux blocages au centre duquel se trouve la concentration de pouvoir. Suivant. Et c'est pourquoi l'agroécologie est différente. C'est à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social. En tant que science transdisciplinaire, elle combine différentes disciplines pour trouver des solutions aux problèmes du monde réel en travaillant en partenariat avec de multiples acteurs, souvent locaux, et en tenant compte de leur connaissance locale et de leurs valeurs culturelles, d'une manière réflexive et itérative qui favorise la co-apprentissage entre les chercheurs et les praticiens, ainsi que la diffusion horizontale de connaissances d'une agriculture à l'autre ou parmi d'autres acteurs au long de la chaîne alimentaire. En tant que pratique, l'agroécologie est considérée comme des pratiques ou techniques nouvelles, modifiées ou adaptées qui contribuent à l'agriculture le plus respectueuse de l'environnement. Elle reconnaît, elle s'appuie sur les pratiques agricoles traditionnelles et indigènes. Elle comprend notamment des gestions de matières organiques, la conservation de ressources, la gestion de la biodiversité et des territoires, la lutte biologique contre le ravageur et la technique d'amélioration de la fertilité du sol. En tant que mouvement social, l'agroécologie est souvent apparue en réponse à des crises agraires et a fonctionné avec des efforts visant à initier un changement généralisé du système alimentaire et agricole. Elle est devenue un cadre politique global dans lequel de nombreux mouvements sociaux, en particulier l'organisation de petits exploitants et de paysans du monde entier, affirment leurs droits collectifs et plaident en faveur d'une diversité des systèmes agricoles et alimentaires adaptés aux conditions locales, ancrés dans le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Suivant, l'agroécologie donc appuie sur 13 principes définis par le groupe des experts du haut niveau de CFS, ainsi que complètement alignés en adéquation avec les 10 éléments d'agroécologie promus par les FAO. Ces 13 principes visent à améliorer l'efficacité des ressources, renforcer la résilience et garantir l'équité et la responsabilité sociale. Suivant, ceci est donc au cœur de la coalition. Notre mission est d'accélérer la transformation du système alimentaire par l'agroécologie, guidée par ces 13 principes en accord avec ces 10 éléments. Suivant, depuis ces mois-ci, la coalition rassemble 47 pays et environ 200 organisations. Suivant, le travail de coalition est guidé par un comité de pilotage. Ces activités se déroulent au sein de 5 groupes de travail dont vous voyez dans votre écran. Suivant, notre action sont déclinées en 3 axes. 1. Faciliter la co-création et l'échange de connaissances et des expériences.
2. Promouvoir un accroissement d'investissement dans l'agroécologie. Et 3. Militer pour un engagement politique et un engagement accru en faveur de la transformation agroécologique. Suivant. Ces dispositifs vous donnent un aperçu du type des activités que nous menons dans le cadre de chacun de nos axes de travail. Dans nos axes connaissances, par exemple, nous rassemblons les initiatives de membres de coalition en matière d'agroécologie pour démontrer que l'agroécologie fonctionne. Dans l'axe de financement, nous avons développé, par exemple, un outil pour tracer le niveau d'investissement vers l'agroécologie. Et enfin, sur les axes politiques, nous participons également à plusieurs conférences et conventions comme du Rio, le système alimentaire, le CFS Process pour pousser un agenda agroécologique. Suivant. Cet dispositif vous donne une idée de la contribution de coalition pour l'agroécologie dans l'écosystème de soutien du Food System Summit, par exemple, comme dans la mise en réseau de local au mondial, favoriser l'alignement des cohérences collectives, mobiliser des ressources, catalyser d'investissements coordonnés à action collective, ou bien sur lesson learning et partage de meilleures pratiques et renforcement de capacités. Suivant. Et en conclusion, Agroécologie s'intéresse à l'ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation. Les approches intrinsèquement intégrées comme agroécologie offrent des voies qui génèrent des bénéfices multiples. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devons nous assurer que ces défis ne sont pas abordés en manière isolée, comme il s'agissait de questions sectorielles distinctes, mais qu'ils font partie intégrante d'un seul et même ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Oliver, pour cette présentation très complète. Et je passe maintenant la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Frédéric Bretard, sur l'observation spatiale. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Alors, ravi d'être avec vous. Je vais pas mettre. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vais pas mettre ma caméra. Ah. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous. Monsieur Bretard n'est pas dans l'espace, mais il est dans un congrès. Il a bien réussi à trouver le temps nécessaire pour se connecter au bon moment. C'est à vous. Oui, absolument. Je vous remercie, Raoul. Alors, je vais vous présenter cet observatoire spatial pour le climat, alors dont l'objectif capital est de développer des outils opérationnels pour l'adaptation des territoires au changement climatique. Alors, cette initiative, prochain slide, merci. Alors, cette initiative, elle est portée par le CNES, mais c'est une initiative internationale. Et je voulais commencer cette présentation en montrant finalement que les satellites sont partout. Et les satellites permettent d'observer énormément de choses en lien avec le développement, le changement climatique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la géolocalisation, les problématiques agricoles, les ressources naturelles au sens large, etc., etc. Beaucoup de choses sur les forêts également, et je vais peut-être en parler juste après. Donc, les satellites sont avec nous de manière quotidienne. Et prochain slide, la création de cette alliance. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et donc, la création de cette alliance, elle a été en 2017, lors du premier One Planet Summit, et elle permet de rentrer complètement dans l'agenda 2030 et dans la mise en œuvre des ODD. Et l'idée, en fait, de tout cela… Attendez, il y a des choses qui s'affichent sur mon écran en même temps. Voilà, merci. Et l'idée de tout cela est de pouvoir répondre de manière très opérationnelle aux objectifs du développement durable. Alors les satellites, bien sûr, au niveau de l'observation de la Terre, ça va permettre de suivre pratiquement la totalité des 17 ODD et de contribuer à des applications, à de la connaissance et à des outils pour suivre et pour rentrer dans cette vaste trajectoire. Et vous voyez que nous travaillons beaucoup avec le Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies, hein, qui est l'UNOSA en anglais,
et qui a fait une étude assez intéressante justement sur l'ensemble des cas d'usage du spatial pour répondre aux aidés. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette publication qui est particulièrement pertinente et l'OSCO d'ailleurs y est notamment mentionné. Alors, on va pouvoir passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Alors, cette alliance internationale, vous voyez, il y a une charte aujourd'hui signée par 45 entités. Et vous voyez d'ailleurs que l'INRAE, l'IRD et le CIRAD sont signataires de cela. Alors, les objectifs internationaux du SCO, eh bien, c'est de fournir ces outils opérationnels. C'est valoriser les données d'observation de la Terre pour l'adaptation au changement climatique. L'idée est de pouvoir travailler sur la coopération, de favoriser la coopération et de créer donc un réseau entre les agences spatiales, qui sont souvent des agences assez techniques, et des utilisateurs finaux, comme des entités publiques, des entités privées également, qui vont fournir un ensemble de services et porter eh bien la solution auprès eh bien des utilisateurs qui vont être des collectivités, des villes ou d'autres institutions publiques en charge de l'aménagement d'un territoire. Alors le SCO est au milieu d'un grand univers d'initiatives international, avec eh bien des grandes agences comme l'ESA qui ont également des grands programmes en lien avec le changement climatique, et puis les agences onusiennes qui sont d'ailleurs signataires du SCO, hein, le programme pour les Nations Unies pour l'environnement, celui pour le développement, et puis donc le Bureau des affaires spatiales. Alors on peut passer à l'autre slide. Merci. Alors aujourd'hui, le SCO, c'est cette alliance internationale, mais c'est surtout un ensemble de projets, un portefeuille de projets qui vont toucher eh bien l'ensemble des problématiques comme l'agriculture, le travail sur le monitoring des habitats dans le cadre de la biodiversité, la perte mondiale de biodiversité, la réponse à des événements extrêmes, des événements naturels extrêmes, du monitoring, de la surveillance de la déforestation sur des zones sur la ceinture tropicale, mais également des zones côtières. Et puis, nous avons également beaucoup de projets en lien avec la gestion des eaux plutôt douces, aussi bien gestion de la ressource que gestion eh bien, de la catastrophe naturelle suite à des inondations ou à des pluies extrêmes. Alors aujourd'hui, il y a 71 projets. Et donc les chiffres sont pas tout à fait à jour. Il y a 45 membres, comme je vous l'ai dit. Alors ces projets sont localisés en France, mais également partout sur la planète, notamment grâce eh bien à ce partenariat avec l'IRD, qui a dont des chercheurs sont positionnés eh bien vous voyez un peu partout dans le pays, dans le sud global, on va dire, hein, en Afrique, Madagascar, Amérique du Sud, etc. Alors, prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Une minute. Alors, très bien. Alors, c'est parfait. Alors, je vous ai donné ici un exemple, par exemple, sur un territoire un peu particulier qui est les terres australes, où finalement le SCO a permis de faire travailler les gestionnaires du parc naturel des terres australes avec des chercheurs qui ont mis au point une méthode pour cartographier de manière très très précise la biodiversité. Un autre inventaire sera fait dans quelques années, avec également une modélisation de l'évolution de cette biodiversité avec le changement climatique. Alors je vais passer à ma slide de conclusion, c'est bien cela ? Alors, très bien. Voilà, ma slide de conclusion. Alors, celle-là, c'est pour vous mentionner que nous sommes très actifs en termes de communication. On parle beaucoup des projets et des équipes, hein, avec donc un site internet particulièrement fourni. Je vais passer à ma slide de conclusion et les quelques messages clés qui est intéressant de retenir, c'est bien cela, hein. C'est que les satellites d'observation de la Terre fournissent des données fiables, précises, et globales. Elles sont utilisées pour comprendre le passé, d'accord, pour modéliser, pour
imager le présent de manière principale, et puis prévoir l'avenir, alors avec des trajectoires qui peuvent être fournies sous forme de hausse de température ou bien d'autres types de paramètres pour eh bien prévoir l'avenir comme on le peut. Elles permettent également de combiner, bien sûr, avec toute autre sorte de données pour avoir une image peut-être un petit peu plus fiable de la manière dont le changement climatique va affecter nos territoires. Et à travers une initiative comme le SCO, eh bien, on voit bien que le spatial, hein, sous l'initiative du CNES, eh bien, contribue pleinement au développement de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Monsieur Bretard. Et donc, on passe maintenant à la partie beaucoup de questions dans le chat, donc la partie questions-réponses et finalement, une question un peu transversale à l'ensemble de ces présentations porte sur les modalités de collaboration avec notamment les acteurs non académiques, justement, puisqu'il y a souvent une volonté transformatrice mise en œuvre, mais mise en place dans ces initiatives. Et donc, comment chacun de vous, peut-être rapidement, envisage les modalités de collaboration, on va dire, avec les acteurs de la société civile au sens large, mais même les acteurs politiques plus largement également. Je peux peut-être commencer. Merci, oui. Céline, pour allez-y, cette Manon. Question. Oui, pour Prézod. Donc, voilà, donc côté Prézod, on envisage ces collaborations à deux échelles. Donc déjà, au niveau de la gouvernance, puisqu'au sein de notre comité de pilotage, on a des sièges dédiés à la société civile, donc des représentants qui ont été élus par nos membres. On a évidemment au sein de nos membres des représentants de la société civile et puis bien sûr dans l'implémentation des projets de recherche, des premiers programmes de recherche dans lesquels sont impliqués des membres de la société civile pour mettre en place des activités de recherche fondamentales et opérationnelles sur le terrain. Merci. Oui, je peux continuer. Oui, oui. En fait, j'expliquais assez brièvement tout à l'heure dans ma présentation le fait que notre initiative est un partenariat multi-acteurs et que donc déjà par essence les ONG, donc qui proviennent de la société civile, mais aussi les gouvernements ou les organisations internationales peuvent faire partie des partenaires et des membres de l'initiative, donc peuvent avoir un rôle à jouer sur les prises de décision et sur les orientations prises par les propositions de l'initiative. C'est le même cas pour la coalition sur l'agroécologie. À participation, à gouvernance, équité, connectivité, ce sont tous les principes d'agroécologie, donc on essaye aussi de le mettre en œuvre. Donc, dans notre comité pilotage, il y a la représentation de peuples indigènes, de sociétés civiles, d'organisations paysannes dans le sens décisionnel de la coalition, mais on essaye aussi de mettre en valeur, amplifier, rendre visibles des activités de cet acteur qui est souvent négligé dans le grand discours international, à mettre en lumière de leurs activités et comme quoi leurs activités font partie des évidences importantes pour promouvoir l'agroécologie. Alors, je compléterai à la fin pour le scoop. Nous sommes essentiellement partenarial, c'est-à-dire que pour rentrer dans ce portefeuille, pour être labellisé comme projet SCO, eh bien, nécessairement, il doit y avoir l'utilisateur final, hein, qui peut être différents types d'utilisateurs et qui vont aider à co-construire cet outil. Donc, c'était également au cœur de la démarche, hein, de cette alliance internationale. Eh bien, merci. Merci beaucoup. D'autres questions portent sur le passage de la théorie à la pratique et notamment une question d'Aminatou qui demande comment passer de l'écrit à la pratique pour concilier zoonose et agroécologie dans le cadre du principe One Health. Donc, des questions à la fois pour Manon et peut-être Oliver. Le passage à la pratique. Oui, tout à fait. Moi, ouais. Vas-y. Allez, Oliver. Non, mais c'est tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, l'approche agroécologique est guidée par 13 principes qui s'appliquent à tous de démarches d'agriculture, à la fois à l'agriculture basée sur la terre, mais aussi sur le crop et livestock, et y compris jusqu'à la gestion des zoonoses. Donc, du coup, toutes les activités, toutes les démarches agroécologiques sont guidées encore une fois par des principes
parle de principes d'agroécologie, qu'il y a des éléments d'agroécologie qui sont tout à fait alignés sur le principe et le mode de fonctionnement qui a été évoqué par Manon dans son intervention. Alors, pardon, Manon, juste avant que vous répondiez, parce qu'il y a une question un peu dans le même ordre d'esprit, spécifiquement pour Oliver, sur le fait de passer à l'échelle ou en tout cas dans la food value chain, donc l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la production jusqu'à la distribution, sachant que beaucoup de choses ont été faites sur le plan conceptuel et de la recherche, et peut-être un peu moins dans sa mise en œuvre le long de cette chaîne de valeur. Est-ce que... Ah, ton micro, Oliver. Oui, pardon, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, je vais peut-être répondre en anglais plutôt. L'agroecology aims at closing production cycles, no? Both on farms and the regional level. So it enables the agricultural sector to reduce and recycle both farm and food waste, for example, through methanization and composting, as well as urban and industrial waste by recovering organic matter. So that's one. Another way is to integrate agroecology in value chain analysis. Our colleagues at the CGIAR, through their agroecology initiatives, for instance, have developed rapid agroecological value chain analysis, a guideline that incorporates agroecological principles on the farm, business, and institutional levels. Third, we need to encourage and support development of local and regional markets, processing hubs, and transportation infrastructures to increase employment and business opportunities and promote, essentially, that circular economies. Oui, si je peux parler, Céline, je voudrais juste te dire aussi que il est important d'associer des acteurs que souvent on n'associe pas forcément, c'est-à-dire les agriculteurs eux-mêmes, hein, puisque une bonne partie de l'innovation agroécologique réside aujourd'hui dans les champs grâce aux agriculteurs, et le travail à travers les Living Labs de la science avec ces agriculteurs est un travail extrêmement important à développer. Et l'autre acteur qu'il faut associer effectivement lorsqu'on veut avoir une vision globale, ce sont les entreprises, qui sont notamment à travers leur supply chain les donneurs d'ordre en quelque sorte, et qui peuvent être un facteur de changement extrêmement important. Donc c'est auprès des entreprises aussi qu'il faut promouvoir les nouvelles pratiques agricoles qui seront bénéfiques en faveur de la santé des sols et de séquestration du carbone dans un contexte agroécologique. Manon, sur et donc, ouais, pour compléter du coup sur ce lien avec la prévention des zoonoses, en fait, Présode, vraiment, quand on parle de prévention, c'est vraiment, on va se focaliser sur les phases très en amont. Et donc, tout ça veut dire que l'idée, c'est que la recherche va, au sein de Présode, va permettre de proposer des solutions innovantes de prévention qui vont s'appuyer notamment sur l'agroécologie. Et donc, proposer des actions à mettre en place sur le terrain pour, encore une fois, atteindre des socio-écosystèmes résilients et durables, et résilients donc à l'émergence de ces zoonoses. Et donc, l'agriculture avec le livestock et production, par exemple, est quelque chose de très important pour prévenir l'émergence des zoonoses. Très bien. Et toujours une question pour Manon concernant Présode. Que pensez-vous du risque des maladies liées au réchauffement climatique, notamment liées à la migration des insectes, sur la production durable agricole? Alors, sur la production, alors je ne sais pas du coup si c'est donc le risque forcément lié aux vecteurs qui deviennent liés aux invasions biologiques. En fait, c'est le problème, il est là. On a des problèmes d'évasion biologique de ces vecteurs qui transmettent des maladies qui peuvent avoir un impact énorme sur la production agricole. Et donc, c'est là aussi où, comme je disais, l'approche holistique est importante. C'est en agissant. Ok. Ma caméra a été coupée parce qu'on m'entend mal, a priori. En agissant donc sur le réchauffement climatique, encore une fois, on va réussir à agir sur ce qu'on appelle la prévention primaire, des actions de prévention primaire, donc très en amont des émergences, pour justement éviter ces invasions biologiques qui peuvent entraîner la circulation de nouveaux pathogènes dans les
notamment les animaux que l'on consomme. Donc voilà, ça c'est très, très important. Eh bien, merci, merci beaucoup. Je ne sais pas, Raoul, si on a encore le temps pour une question ou... On a 1 minute. Très bien. Donc, une dernière question peut-être pour 4 pour 1000, l'initiative 4 pour 1000 concernant la prise en compte de la biodiversité des sols dans cette initiative. Oui, bien sûr. Ben, la biodiversité des sols, comme je dis dans mes propos, constitue le premier élément de la biodiversité tout court et de la possibilité d'avoir des systèmes agroécologiques au-dessus. À travers l'évaluation de la santé des sols, la plupart du temps, on a une évaluation de la richesse en macro, micro ou méso-organismes dans les sols qui permet d'en mesurer la biodiversité, évidemment dans le règne animal et dans le règne végétal. Donc c'est extrêmement important et y attache une grande importance. Très bien, alors peut-être une toute dernière question brûlante liée à l'actualité sur la prise en compte qui n'est pas dans le chat mais que je me permets de poser, mais peut-être pour Monsieur Bretard concernant la prise en compte des outils. Comment vous mobilisez les outils d'intelligence artificielle dans votre travail et au sein de votre initiative? Oui, bien sûr. Alors, nous, nos projets émanent d'un appel à projet. D'ailleurs, cette année, donc l'appel à projet s'est terminé. Donc, il y avait un appel à projet pour la France et il y avait un appel à projet international. Et donc, on va mobiliser des équipes scientifiques, donc toujours de manière partenariale, et je dirais faire confiance à leur capacité à mobiliser l'état de l'art pour répondre à nos problématiques. Alors, il peut y avoir des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible, mais pas uniquement. On a plein d'algorithmes qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Donc, on favorise, eh bien, ce qui marche. C'est-à-dire que c'est pas de la recherche. Ce que l'on veut, c'est que les informations qui vont être extraites de la totalité de cette mixture de données soient le plus pertinent possible pour répondre à la problématique identifiée, hein, qui peuvent être toutes ces problématiques dont je vous ai parlé, diverses et variées. Merci, merci. Merci beaucoup à tous. Et justement, comme nous sommes entourés d'une mixture de données et que nos cerveaux ne sont pas tous connectés à l'intelligence artificielle pour traiter tout cela, place à l'art, place au dessin et place à la connexion technique à Londres pour 1 minute 30 de musique. Ça vous permet de boire un verre d'eau si vous avez besoin, etc. Place à la musique et au dessin. Voilà. Petite pause neurologique avant de passer à la session 3, qui va nous amener vers l'avenir et tout ça. Que vous avez vu quelques dessins qui vous ont fait réfléchir et on retrouvera la musique à la fin de notre fête. C'est à vous maintenant, Jean-Luc Schott, pour la session 3. Je vois qu'on n'a pas vu les dessins, mais ils vont défiler pendant la musique finale, donc pas de désespoir. Donc, session 3, Jean-Luc, c'est à toi. Merci Raoul, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
Ça paraît parfait. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ah, merci beaucoup. Bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour mesdames et messieurs les directeurs généraux et j'allais dire bonjour à la communauté de la Fête internationale de la science que l'on retrouve ici en 2023. Les séquences précédentes ont montré à quel point, depuis le 21 septembre 2015, date de la résolution des Nations Unies mettant à l'agenda politique le développement durable, les objectifs de développement durable, avait été un formidable levier pour repenser la recherche, repenser la façon dont on collabore, repenser les partenariats et repenser l'agenda du développement durable. On a entendu en cours de ces excellents exposés, notamment notre collègue Dr Attier, nous dire à la fois que nous ne sommes pas dans la bonne direction, mais qu'un meilleur avenir est possible. Nous avons entendu aussi, par exemple, ma collègue Manon Lounas nous dire que monter des partenariats demande du temps et différentes interventions qui mettaient l'accent sur la nécessité d'accélérer. L'ensemble de ces réflexions ont été en grande partie guidées notamment par les publications en 2019 du GSDR et en 2023. Mais à chaque fois, nous avons aussi entendu qu'il était nécessaire de se projeter au-delà de l'agenda 2023, et c'est véritablement l'objectif de la séquence qui est devant nous, qui va permettre de bien comprendre, de mieux comprendre pourquoi et comment il faut d'ores et déjà s'engager dans l'après-2023 et sans attendre. J'invite Fatma Zahra Rostom de prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc, merci à tous. Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'organisation de cette fête de la science. Vous m'entendez tous bien ? Donc je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter un travail qu'on a effectué avec Marie Delattre-Guesquet en partenariat avec la FAO. Donc ça fait partie d'un projet un peu plus vaste qui vise à comprendre comment les prospectives peuvent contribuer aux transformations des systèmes alimentaires par l'agroécologie, avec deux projets pilotes en Inde et au Sénégal, et puis l'étude que je vais vous présenter, qui a consisté en une revue des exercices de prospective qui inclut l'agroécologie. Donc pourquoi on se pose cette question ? Diapo suivante, s'il vous plaît. Rapidement, la prospective, elle est déjà partout et c'est aussi grâce à des scénarios qu'on sait que l'état des crises multiples qu'on connaît aujourd'hui risque de s'exacerber dans le futur. On peut citer entre autres les enjeux de climat, de biodiversité, des inégalités socio-économiques. Et tout ça, ça appelle à des changements profonds dans la manière qu'on a de fabriquer et de jouir des biens matériels et donc de transformer nos systèmes économiques. Diapo suivante. Nous, on s'est intéressé à un système particulier, qui est le système alimentaire dont on a déjà parlé aujourd'hui, donc les activités, les acteurs qui se situent tout au long de cette chaîne-là, diapo suivante, mais aussi les systèmes sociaux et naturels où ils s'encastrent, diapo suivante. Donc une piste pour la transformation d'un tel système, elle passe par l'agroécologie. L'agroécologie, c'est une approche intégrée, on en a déjà parlé tout à l'heure, basée sur des principes écologiques qu'on a ici et qui intègre les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine. C'est en même temps une discipline, des pratiques, des mouvements sociaux, des politiques qui traversent tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'agroécologie dans le futur ? Diapo suivante, s'il vous plaît. Ben, si rien n'est écrit, il existe tout de même une manufacture des futurs, c'est-à-dire un ensemble de processus sociaux et politiques qui, dans l'arène publique, vont sélectionner certains futurs. La prospective, c'est une approche transdisciplinaire et systémique qui va permettre d'explorer différents futurs. Elle peut guider les décisions en adaptant nos attitudes face à l'avenir pour savoir penser le temps long et contribuer à dessiner des imaginaires sociaux menant à des actions transformatives. Et donc, que nous apprennent les prospectives qui explorent les futurs agroécologiques ? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc nous, avec Marie et la FAO, on a interrogé un corpus de 7 études à différentes échelles, internationales, régionales, nationales, locales et même à l'échelle de la ferme, qui intègrent des scénarios avec de l'agroécologie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ces études, elles ont des méthodologies variées, soit des narratives, des récits, parfois illustrés, comme vous pouvez le voir ici, ou alors des modèles quantifiés, et soit une interaction entre les deux. Nous les avons analysés, comparés, discutés lors d'un workshop international où Lorenzo, que je salue, a participé. Et puis, on a aussi mis en perspective avec la littérature. Et diapo suivante, on en a tiré des enseignements sur quelle prospective pour quel futur agroécologique.
Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, notre étude, elle montre que les prospectives, elles permettent déjà de dessiner des futurs agroécologiques de manière collective. Donc, toutes les prospectives qu'on a analysées, elles adoptent des approches participatives, mais avec une participation plus ou moins diversifiée. En tout cas, elles donnent à voir des futurs agroécologiques riches avec une approche systémique qui identifie les facteurs qui doivent changer dans le système et leur donne une couleur agroécologique. L'usage des terres, l'assiette alimentaire, mais aussi la structure des fermes et l'organisation du commerce, par exemple. Ensuite, ces prospectives, elles permettent d'explorer la diversité des futurs agroécologiques. L'agroécologie, elle n'est pas monolithique. Certaines prospectives opposent de modèles, mais d'autres construisent plusieurs scénarios avec l'agroécologie. Et ça, ça dépend de la conception des auteurs que les auteurs ont de l'agroécologie ou de la spécificité qu'on a sur les territoires ou des contextes nationaux qui sont très contrastés avec des modèles et des histoires agricoles très variées. Aussi, beaucoup d'exercices de prospective se concentrent sur l'agriculture et oublient des éléments importants du cœur du système alimentaire. Alors que l'approche système alimentaire, elle est quand même essentielle dans une transformation radicale pour qu'elle puisse se faire de manière juste, que les risques soient portés par l'ensemble des acteurs du système. Et donc, il est essentiel d'explorer cette diversité. Ensuite, ces prospectives, elles permettent d'interroger la faisabilité des futurs agroécologiques, notamment grâce à la modélisation. D'après les exercices de prospective étudiés, on a un scénario business as usual qui ne répond pas aux enjeux planétaires. Les scénarios avec agroécologie sont des scénarios alternatifs qui vont répondre à des enjeux comme assurer une sécurité ou souveraineté alimentaire et nutritionnelle, avoir des impacts positifs sur de l'équité, l'équilibre territorial ou l'environnement, par exemple. Ensuite, ces prospectives, elles nous permettent de débattre des futurs agroécologiques et des trajectoires, puisque la transformation des systèmes alimentaires, elle va impliquer des choix, des abandons, des perdants et des gagnants. Elle peut provoquer des tensions. Et donc, il y a des compromis qui doivent être réfléchis, débattus, par exemple le lien avec les technologies, la production d'énergie, la manière de faire de la science, par exemple, qui doivent être débattus. Et la prospective, elle a cet avantage qu'elle est un outil d'apprentissage en commun, un espace de débat pour les acteurs du système alimentaire. Mais force est de constater qu'il y a encore insuffisamment de méthodes qui offrent ce type d'agora qui structure les débats. Enfin, elles permettent, ces prospectives, elles permettent de contribuer à transformer les imaginaires sur les futurs possibles grâce à des récits inspirants et des métriques adaptées. Je vous l'ai dit, hein, les prospectives, elles aboutissent à des récits ou des données. Le travail quantitatif, il est essentiel et puis apprécié des décideurs. Mais des hypothèses fortes doivent être faites sur les rendements, le stockage du carbone dans le sol, par exemple, alors que les données sont pas, elles manquent, des données précises. Aussi, il y a un besoin de modèles et de métriques qui soient adaptés à l'esprit de l'agroécologie. Et l'agroécologie, elle a besoin aussi de récits inspirants pour entrer dans l'imaginaire collectif, et puis de stratégies de communication, de ces résultats beaucoup plus larges et beaucoup plus originales. Donc, pour conclure, les prospectives, elles montrent qu'il n'y a pas de solution universelle pour la transformation des systèmes alimentaires par l'agroécologie. Chaque pays doit identifier ses politiques, les synergies, les effets pervers, ainsi que les rapports de force entre les acteurs. Et donc, se pose vraiment la question de l'échelle de ces transformations dans tous les exercices qu'on a étudiés. Tout d'abord, sur les échelles géographiques, hein, on a vu que dans ce qu'on a sélectionné, toutes les échelles sont traitées, mais la connexion entre échelles est très complexe. Quel levier, quelles contraintes est-ce que cette connexion propose ou impose? Et puis, pour l'action, on a vu que l'échelle méso-locale, elle est souvent manquante, en fait, dans ces exercices de prospective, alors qu'elle est une échelle clé dans les transformations. Il y a l'échelle aussi de temps hein, qu'il s'agit de discuter. Dans les études qu'on a analysées, on prend volontiers plutôt comme échéance 2050 ou plus court que 2050. Et donc, l'échelle de temps, c'est vraiment un savant mélange entre la nécessité du temps qu'il faut pour une transformation radicale, mais qui ne doit pas non plus mener à laisser pour plus tard. L'urgence, elle est là. Voilà. Donc, diapo suivante. Et le temps s'est écoulé. Pardon ? Et le temps s'est écoulé. Deux, trois phrases parfait, de conclusion. C'est... Voilà, c'est parti. Je conclue par vous dire que donc cette étude, on va la publier tout bientôt. Le 5 décembre, on lance un workshop pour réunir les communautés prospectives et agroécologie et pour publier ce guide qu'on a écrit avec Marie. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Fatma. Enfin, vous nous racontez hein, l'importance du récit et l'importance de le co-construire et l'importance de le co-construire à différentes échelles et de connecter ces échelles. C'est les points que moi, j'ai retenus. Et je passe sans tarder la parole à Guy Richard. Guy, tu as la parole. Okay, merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour à tous. Donc, je vais poursuivre dans l'exposé de Fatma en revenant sur quelques définitions préliminaires, en vous donner un exemple de prospective qui s'inscrit dans l'agroécologie et que nous avons conduit récemment autour d'une agriculture européenne sans pesticides chimiques à cet horizon 2050 qu'a évoqué Fatma. Et puis, je reviendrai sur quelques éléments de conclusion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme cela a déjà été évoqué, vraiment la prospective, c'est imaginer hein, l'avenir d'un système, mais vraiment pour prendre des décisions présentes. Et j'aime beaucoup cette phrase de Gaston Berger, qui est un spécialiste de la prospective, qui mentionnait que la prospective, c'était vraiment considérer l'avenir non plus comme une chose déjà décidée et qui petit à petit se découvrirait à nous, mais bien comme une chose à faire. Je trouve ça vraiment intéressant. Et pour voilà, bien éclairer les politiques publiques et alimenter l'ensemble de nos réflexions stratégiques, notamment de tous nos organismes de recherche. Fatma a également évoqué cette notion de système alimentaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, je me réfère à cette vraiment très bonne définition du HLPE de 2014, où c'est vraiment tout ce qui relie de la production à la consommation, c'est vraiment cet ensemble d'éléments, d'activités qui va de la production à la consommation en mobilisant des ressources, des personnes, des intrants, des institutions, des réglementations, etc. Alors, qu'est-ce que la prospective peut nous apporter dans ce contexte-là? Diapo suivante. Comme cela a beaucoup été déjà mentionné, c'est son approche holistique telle qu'elle est revendiquée par l'agenda 2030 qui la caractérise, avec plusieurs profondeurs temporelles possibles et cette difficulté qu'il y a à imaginer les temps longs, bien sûr. Ce qui est vraiment important, c'est que c'est une approche non probabiliste. On ne va pas chercher à explorer les tendances actuelles, mais on va vraiment envisager quelles sont les ruptures, les signaux faibles hein, pour demain. Ensuite, et cela a déjà été évoqué, c'est une approche collective, pluriel, qui associe le monde académique, le monde non académique, hein, des scientifiques, des associations, des industriels, des politiques, etc., avec cette diversité de vision qu'on a beaucoup évoquée. Et donc, cela, ça permet de construire plusieurs futurs. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord, et on doit ne pas être d'accord, d'ailleurs, ce qui permet d'élaborer plusieurs scénarios. Et chacun de ces scénarios est en mesure d'éclairer des options politiques et sociétales différentes. Et enfin, la prospective, c'est aussi une réflexion sur le chemin de transition, de transformation vers le scénario que l'on construit. Alors, c'est vraiment ça que l'on a mis en place pour cette prospective sur l'agriculture européenne sans pesticides. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, une diapo qui vous montre la démarche. C'est un petit peu petit, j'en suis désolé. Et si vous voulez, la prospective, c'est d'abord délimiter le système en ce qu'on appelle des composantes. C'est ce qu'il y a écrit en tout petit sur la gauche. Et pour chacune de ces composantes, voilà, on va en comprendre la tendance générale, ce qu'on appelle la rétrospective, et identifier les signaux forts, les signaux faibles, pour poser plusieurs hypothèses d'évolution. D'accord ? En anglais, on appelle ça horizon scanning. Et ensuite, on va construire ce qu'il y a au milieu, à savoir un tableau morphologique, et on va relier des hypothèses selon une cohérence qui permet d'exprimer l'essence de ces différents scénarios. Et ces scénarios, ils sont là pour être les plus contrastés possibles et pour porter des visions différentes. Et ensuite, ce qui fait la force d'une prospective conduite par un organisme de recherche comme INRAE, par exemple, ou le CIRAD, c'est de pouvoir y associer, comme l'a dit Fatma, des modèles de quantification. Et là, on va mobiliser tous nos modèles, toutes nos bases de données pour essayer de quantifier au mieux, au plus près, selon plusieurs critères. Mais bien sûr, c'est à partir du moment où on se projette dans l'avenir, on n'a pas toujours tous les éléments pour quantifier, bien sûr, toutes les dimensions souhaitées. Et dans le cas de la prospective européenne, là, on a également appliqué ces différents scénarios à des régions, à des petites régions dans différents pays, la Finlande, la Roumanie, l'Italie, la France. Ça, c'est très, très important, hein, ces différentes échelles auxquelles on va chercher à construire.
Voilà. Alors, de la diapo suivante, c'est les trois scénarios. On a abouti à trois scénarios agroécologiques. Le premier à gauche, c'est un scénario avec des chaînes alimentaires mondiales, un marché alimentaire mondial sans pesticides et qui est mis en œuvre grâce à des technologies numériques appropriées. Le deuxième scénario, on va se concentrer sur la santé humaine. C'est des régimes sains en mobilisant au maximum le microbiote, que ce soit le microbiote des plantes, des sols, des aliments. Toute la chaîne, on va l'utiliser. Et le troisième scénario, c'est le scénario dit One Health, une seule santé. La santé de l'homme et de l'environnement. Et là, c'est vraiment la mobilisation de paysages les plus complexes possibles, les plus diversifiés possibles et des chaînes de valeur régionales. Diapo suivante, s'il vous plaît. Mais pour tous ces scénarios, leur mise en œuvre nécessite des mesures fortes et coordonnées pour réussir. Et ça passe par de nombreux éléments à associer, à coordonner. Et tout d'abord, l'engagement des consommateurs et des citoyens. C'est très, très important, c'est fondamental, notamment en termes de régime alimentaire. C'est une articulation de plusieurs politiques publiques, celles relatives à l'usage des pesticides, les politiques agricoles, les politiques alimentaires. Tout doit être articulé et associé à des accords commerciaux internationaux, par exemple pour développer un marché européen sans pesticides. Et c'est également un partage du risque, hein, pris par les agriculteurs avec l'ensemble de la société. Et c'est vraiment un développement des systèmes de connaissances et d'innovation en agriculture en investissant massivement dans la recherche. Pour conclure, Jean-Luc, si je tiens le temps. Ouais, j'étais très bien. Diapo suivant, pardon. Une minute pour conclure. Oui, c'est parfait. Donc, pour conclure, cela a déjà été évoqué, on est sur l'agenda 2030. Mais on voit que l'ampleur des transformations nécessite peut-être de se projeter là sur un horizon plus lointain. Je verrai 2050, ça a déjà été évoqué, puisque bon, au-delà, ça paraît difficile d'imaginer ce qui peut se passer quand même. Et puis, on sait que pour le climat, c'est vraiment une période très, très importante. Pour transformer ces systèmes alimentaires, merci. Donc, on voit qu'il faut vraiment associer les questions de production, d'alimentation et d'échange. Il faut partager les risques et il faut vraiment innover différemment selon les scénarios et les conditions. Ce qu'on va envisager en Europe, ça va être très, très différent de ce qu'on va envisager en Afrique et en Asie. De notre côté, il faut vraiment approfondir la dimension économique pour mieux définir les investissements envisagés. Et là, le dernier travail de la FAO sur le coût d'alimentation me semble vraiment à valoriser pleinement. Et comme cela a déjà été dit, il faut non seulement travailler aux différentes échelles, mais il faut les articuler et réussir à les emboîter si on veut parvenir à cette transition agroécologique. Merci beaucoup. Je te repasse la parole, Jean-Luc. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup, Guy. Et comme tu le disais dans ton introduction, hein, c'est sur la même ligne que l'exposé de Fatma, et tout en apportant des éléments complémentaires. Moi, j'ai retenu de ton propos que tu encourages au moment de la construction de la prospective de ne pas être d'accord sur les scénarios pour que la plupart des options puissent être sur la table, et que tu as introduit un nouveau mot dans la table ronde aujourd'hui, c'est la place du consommateur. Et du coup, j'attends vraiment, je passe la parole à Telbado Vinciguerra, pour qu'il nous présente les nouveaux modèles de progrès et avec beaucoup de curiosité. Vous avez la parole. Parfait. Bonjour. Bonjour et merci à tous. Bonjour depuis Rome. Salutations chaleureuses aux organisateurs, collègues, conférenciers, participants. Merci d'avoir invité le Dicaster pour le service du développement humain intégral à ce webinaire pour la fête de la science. Je me focalise sur quelques passages, quelques messages que le pape François fait passer à travers l'encyclique Laudato Si et la récente exhortation Laudate Deum. Ce dernier, d'ailleurs, a un langage particulièrement technique et cite beaucoup de données chiffrées, une première qui n'est pas passée inaperçue. Dans mon intervention, je vais puiser abondamment dans ces deux documents. Alors, nous sommes les héritiers de deux siècles d'énormes changements, et il est juste de se réjouir face à des progrès scientifiques, de s'enthousiasmer devant de grandes possibilités qui nous sont ouvertes, car la science et la technologie sont un produit merveilleux de la créativité humaine,
ce qui pour l'Église est évidemment un don de Dieu. La modification de la nature à des fins utiles est une caractéristique de l'humanité depuis ses débuts. Cela exprime une tendance de l'esprit humain au dépassement de certains conditionnements, de contraintes. Pensons aux évolutions agricoles, la compréhension des écosystèmes, des aquifères, la conservation des aliments, et ainsi de suite. Deux points de vigilance. Le premier, les ressources naturelles nécessaires à la technologie, au progrès, ne sont pas illimitées. Et il n'est pas certain que la recherche scientifique de demain puisse corriger les erreurs ou l'insoutenabilité d'aujourd'hui. Il y a eu assez déjà de mise en garde face à la situation de l'environnement ou à l'état des ODD, je n'en rajoute pas. Deuxième, grand problème. Une idéologie qui sous-tend une certaine obsession, à savoir accroître au-delà de l'imaginable le pouvoir de l'homme. Dans ce cas, la réalité non humaine, les ressources qui nous entourent, devient quelque chose tout simplement un autre service. Je pense à quelques biotechnologies ou aussi continuer à polluer. De toute façon, d'autres payeront les pots cassés. Les autres. Ceux qui n'ont pas autant de pouvoir scientifique ou technologique, pas autant de pouvoir politique ou économique, tant pis. Si l'on suit cette idéologie, tout ce qui existe cesse d'être un don qu'il faut apprécier, respecter, protéger. Ce devient plutôt un esclave ou une victime des caprices de l'esprit humain, de ceux qui ont les moyens. Les ressources ne sont pas vues comme ayant une destination universelle. Tant pis pour les externalités négatives, tant pis pour les injustices et les inégalités, tant pis si les ODD sont loin d'être atteints. Le progrès technologique scientifique des dernières années n'a pas été accompagné par un développement de l'être humain, en responsabilité, en valeur, en conscience. Il manque une éthique, une culture à la hauteur de ce progrès. Les déserts extérieurs sont le reflet des déserts intérieurs. Alors la question centrale, quelles considérations, quels objectifs, quels intérêts et valeurs guident la recherche scientifique, guident la compréhension des systèmes qui régissent la planète? Quelles valeurs guident le développement, l'application et le partage des fruits du travail scientifique? Si rivières et océans sont gravement pollués, et si plus de 2 milliards de personnes ont un quelque souci d'accès à l'eau potable, à quel point c'est un enjeu scientifique ou politique, éthique, comportemental? Il s'agit, et j'aborde ma conclusion, de définir le progrès que nous voulons. Un modèle de progrès, de façon à laisser après nous un monde meilleur et une qualité de vie intégralement meilleure, supérieure. Ce intégralement évoque, d'une part, le développement humain intégral, à savoir le développement de toutes les facettes de chaque personne et de toutes les personnes. D'autre part, cela évoque le concept structurant d'écologie intégrale proposé dans l'encyclique Laudato Si que je vous invite à consulter. Tout est lié, répète le pape, et le coronavirus nous l'a douloureusement rappelé. Abandonnons alors une vision utilitariste de ce qui nous entoure. Reconnaissons que la vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures. Nous-mêmes et tous les autres êtres de l'univers, nous sommes unis par des liens invisibles. Dans une telle optique, vraiment, la désertification ou l'appauvrissement du sol peut être perçue comme une maladie pour chacun. Et alors, vraiment, nous pouvons regretter l'extinction des espèces comme une mutilation. Pour le post-2030, élaborons donc un modèle de développement basé sur l'inaliénabilité, dignité de chaque être humain. Pardon, l'inaliénable dignité de chaque être humain, avec des indicateurs et des objectifs qui reflètent le sens, la solidarité, la justice, la responsabilité, la paix. Pour redresser le cap et pour préserver, pour revoir nos décisions et comportements à tous les niveaux, du global au local, le pape propose trois piliers fondamentaux.
l'éducation, la culture, la spiritualité, à savoir la grande sagesse des religions. Puisse la science bien coopérer avec chacun de ces trois piliers. Merci pour votre attention. Merci à tous les collègues pour leur contribution si enrichissante. Mes deux derniers mots, espoir et maintenant. Au revoir. Merci beaucoup pour votre intervention hein, qui apporte effectivement un complément, un éclairage d'une grande valeur. Et on est passé dans la séquence de questions. Et si vous permettez, je vais m'adresser à vous. Vous évoquez, vous posez la question ou vous nous enjouez à nous poser la question quelle est la valeur qui guide le développement? Et si je rebondis sur les propos des collègues qui sont intervenus avant vous, et vous l'évoquez aussi vous-même, hein, la nécessité d'articuler les échelles du global au local, comment est-ce que vous voyez la réponse à cette question? Est-ce qu'il y a une échelle prioritaire sur définir les valeurs qui guident le développement à une échelle locale et internationale, parce que la communauté scientifique s'intéresse à cette question? Vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. En quelques mots, car d'autres pourront certainement enrichir mon propos, essayons de voir ce que pourrait vraiment donner un multilatéralisme par le bas, dans lequel les communautés locales, les villes, le niveau municipal, les élus, tous les citoyens concernés sont non seulement écoutés et engagés, vraiment impliqués dans tous ces processus, mais ont réellement, et c'est là un appel démocratique, une démocratie de substance, voilà, ont réellement un pouvoir, un contrôle sur les niveaux supérieurs, qu'il n'y ait pas de déconnexion. C'est peut-être beau Merci. Et utopique, mais c'est le seul chemin à suivre. Merci beaucoup. Hein. J'ai été inspiré par votre intervention qui faisait écho à certains des propos des collègues avant, et du coup, je passe maintenant la parole à Lorenzo Bellou. Lorenzo, vous avez la parole. Merci Jean-Luc, merci à Raoul pour l'invitation et bonjour, bonsoir à tout le monde, à l'ambassadrice pour avoir introduit cette rencontre très importante, très inspiratrice, je dirais. C'est très difficile de dire quelque chose, ajouter de la valeur à ce que je viens d'entendre par les collègues. Alors, Je me permets seulement de capturer quelques mots de l'intervention de Fatma, de Guy et de Baldo. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé dans les intentions de Fatma, c'est le fait que, par exemple, les études prospectives montrent que il n'y a pas de durabilité dans l'agriculture conventionnelle telle que nous sommes en train de utiliser. Et mais en même temps, pour transformer la réalité, on devra gérer le conflit entre les gagnants et les perdants. Et en même temps, Guy souligne que il faudra des mesures fortes et coordonnées pour réussir dans la transformation. Ceci nous servira pour aller au-delà de l'obsession à accroître le système économique au-delà des limites écologiques, comme Tebaldo vient de souligner. Alors, moi, la meilleure façon que j'imaginais, c'est d'encadrer les trois contributions dans ce que FAO vient de faire en termes d'études prospectives, et notamment sur les moteurs et les déclencheurs de transformation. Et nous avons analysé les aspects qu'on vient de mentionner, et avec une prospective à long terme, que comme Guy le disait, en fait, les travaux de prospective ne sont pas pour le court terme, ils sont plutôt pour le long terme. Et les transformations se passent dans le long terme. Et on vient de travailler sur quatre scénarios alternatifs pour le système agroalimentaire, que il faut dire que dans le long terme, en fait, sont très liés à ce qui se passe dans le système socio-économique et
les systèmes environnementaux. Si vous regardez dans la prochaine diapo, vous voyez que nous avons travaillé sur 4 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario où rien ne change, c'est-à-dire on continue plus ou moins avec ce qu'on vient de faire. Et c'est un scénario de, on pourrait l'appeler business as usual avec anglicisme, mais on réagit au fur et à mesure que on, pour faire face aux problèmes sans avoir vraiment une vision de long terme. Et tout cela n'est rien, n'amène pas à des systèmes agroalimentaires satisfaisants en soi. Il y a aussi un avenir ajusté. Quel est l'avenir ajusté? L'avenir ajusté, c'est un avenir où nous cherchons d'avoir des résultats court terme, notamment sur les aspects sociaux, sous la pression d'achever quelque chose pour déjà 2030. On a vu que on a seulement 15% des targets vont être achevés. Alors, sous la pression, on essaie de régler les problèmes de pauvreté extrême et de faim par ici et par là, mais sans avoir vraiment une vision systémique de long terme. Le troisième scénario, scénario course à l'abîme, hein, le nom même souligne de ce qu'il s'agit, c'est-à-dire c'est un scénario collapse de grande partie des systèmes agroalimentaires, socio-économiques et environnementaux en même temps. Et le quatrième scénario, c'est un scénario appelé choix de la durabilité, et moi je dirais plutôt sacrifice pour la durabilité. C'est-à-dire, et ça c'est une dimension qu'il, à mon avis, faut souligner. Les transformations ne sont pas à coût zéro. Il n'y a pas une transformation pour laquelle on ne doit pas payer un prix. Bon, il ne s'agit pas d'être des économistes pour comprendre que pour transformer, il faut investir. Pour investir, on ne peut pas consommer. Hein. Si vous voulez acheter une maison, vous ne pouvez pas dépenser, consommer tout votre revenu. Hein. Vous devez épargner, vous devez investir. Hein. Exactement, c'est le même concept qu'on applique à large échelle. Pour transformer, il faut investir. Pour investir, il faut réduire la consommation, consommation finale, je veux dire. Et qui va payer pour ça? Qui va payer pour la transformation? C'est un problème de institution, c'est-à-dire sans les règles des sociétés, des rapports globaux, des rapports entre pays qui vont établir, qui devraient établir, qui va consommer et quoi. Si dans les prochaines, dans la prochaine diapo, vous voyez très clairement que le scénario de durabilité, c'est un scénario qui ne donne pas de bénéfices immédiats. Il y a d'autres scénarios qui donnent des bénéfices immédiats, notamment le scénario de tour ajusté donne des bénéfices en termes d'amélioration. Ici, moi, je suis un peu centré sur la FAO. On a utilisé les 4 améliorations qui sont les 4 améliorations qui inspirent la FAO, c'est-à-dire l'amélioration de la production, de la vie, de la nourriture et de l'environnement. Je ne mentionne même pas les autres scénarios de collapse, mais si vous voyez que il y a quand même ce qu'on appelle des objectifs en conflit entre le court terme et le long terme. On a tendance à oublier le fait que il faut payer des prix pour la non-durabilité qu'on a injecté maintenant dans le système et pour transformer le système pour les bouger vers la durabilité et la résilience. Une minute pour conclure, Lorenzo. Dans la prochaine diapo, vous voyez que la FAO a identifié 4 domaine prioritaire d'investissement, ou si vous voulez, ce qu'on appelle les déclencheurs de transformation. Les institutions et la gouvernance, comme déjà Guy a souligné, comme des aspects très importants. La sensibilisation des consommateurs, on a déjà parlé de ça. La répartition des revenus et des richesses pour faire face aux gens qui devront payer un prix pour la transformation et les technologies comme engin de transformation. Selon la façon dans laquelle nous activons les piliers de transformation, les déclencheurs de transformation, le futur va bouger d'un scénario vers l'autre.
Comme Guy a mentionné dans sa présentation, le futur n'est pas à deviner, le futur n'est pas à découvrir, le futur, c'est un futur à bâtir. Alors, permettez-moi de conclure en disant, avec la prochaine diapo, que il n'y a pas grand-chose pour être optimiste, en fait. Hein. Il y a plutôt plein de signaux faibles, comme Guy vient de mentionner, aussi des signaux forts, que nous poussent vers une sorte de pessimisme rationnel. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose pour être optimiste, mais en même temps, on ne peut pas se permettre le luxe d'être pessimiste parce que 3 milliards de personnes n'ont pas accès à une nourriture suffisante, saine et adéquate. Il y a presque 800 millions de personnes qui souffrent la faim et il y a presque 1 milliard de personnes qui sont extrêmement pauvres. Alors, permettez-moi de citer quelqu'un, c'est toujours un Italien beaucoup plus fameux que moi, qui dit que dans les situations de difficulté, il faut vraiment mobiliser toutes les ressources disponibles pour faire face aux difficultés et pour s'en sortir. C'est ça que, si vous voulez, vous pouvez regarder pour approfondir un peu ce thème-là dans les publications de la FAO que je vous montre dans la diapo, moteur et déclencheur de transformation. Merci. Merci beaucoup, Lorenzo. Je prends juste la parole parce que nous avions prévu à un moment donné de donner la parole aux jeunes, comme l'année dernière. Et cette année, c'est Giulia Tariello, qui est représentante déléguée de l'Europe auprès des Nations Unies, et qui a suivi avec ses amis d'autres représentants nationaux de nombreux pays tout le webinaire et qui va nous poser une question un peu plus générale. Et cela répond aussi à ta conclusion. On peut être pessimiste, mais quand on voit la jeunesse, on a aussi beaucoup d'optimisme en nous. Donc, je ne sais pas si la technique nous suit. Giulia, est-ce que vous êtes là? Et bonjour à tous, à toutes. Bonjour, bonsoir, merci. Je suis Giulia Tariello, jeune déléguée aux Nations Unies, d'abord pour l'Italie et maintenant pour l'Union européenne. Je vous remercie à tous pour vos précieuses interventions. Je voudrais proposer une réflexion générale sur l'importance de rapprocher les jeunes de la science, car ils seront les prochains à prendre des décisions sur les destins de notre planète. Vous représentez une génération différente de la mienne. Comment pensez-vous qu'il soit possible de prendre en compte les opinions des jeunes et faire en sorte qu'ils continuent à étudier des matières scientifiques pour favoriser un développement durable? Merci. Merci beaucoup, Giulia. Qui veut répondre dans le panel de cette dernière session? Mais si vous voulez, je peux prendre la parole pour répondre. À mon avis, bien sûr, il faut prendre en compte les opinions des jeunes et j'invite les jeunes à exprimer des opinions basées sur les efforts qu'ils font pour étudier, pour comprendre la réalité. Mais il faudrait prendre en compte aussi les opinions des gens qui, dans les années 70 et 80 siècles précédents, avait déjà souligné le fait qu'on était sur un chemin de non-durabilité. C'est-à-dire, on était en train, il y avait des limites à la croissance. Alors, ces signaux, ces messages ont été répétés plusieurs fois dans le cours de l'histoire, je peux dire. Et bon, maintenant, à mon avis, il s'agit de faire un effort collectif pour comprendre pourquoi, malgré toutes les signaux qu'on a pu recevoir, on est malgré, c'est-à-dire on s'est placé sur un chemin qui n'amène pas vraiment à une culture de durabilité. Alors, les jeunes devraient aider, souligner les pourquoi et les comment, et on doit faire pour transformer vraiment. Oui, merci beaucoup Lorenzo. Guy, est-ce que tu voudrais apporter un des compléments? Non, mais parce que finalement, merci beaucoup Julia, parce que de votre réflexion, parce que
je prends conscience que lorsqu'on travaille là, sur ces exercices de prospective, on prend une grande attention à réunir des points de vue très divers, de toutes les composantes d'une société quelque part. Mais j'avoue que cette prise en compte de la jeunesse, alors là, j'avais, voilà, depuis, ça fait pas très longtemps que je suis dans ce genre d'activité, mais j'en avais jamais eu conscience qu'il fallait effectivement avoir une attention particulière. Et ben, je ne sais pas comment je vais tenir compte de votre remarque, mais ça va me faire réfléchir et peut-être envisager différemment des prochains travaux. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont moi j'ai tenu compte jusqu'à maintenant, finalement, dans ma façon de travailler, Julien. Merci. Et on voit à quel point la Fête internationale de la science est aussi un moment pour revisiter notre propre agenda de travail. Merci beaucoup. Merci. Raoul, est-ce qu'on a encore le temps ou... Jean-Luc, on a une minute, deux minutes maximum, le temps que Elisabeth aussi se branche. Elle nous a suivis, mais juste pour faire le checking. Donc, tu as encore une minute trente pour ta session. D'accord. Du coup, si je regarde dans le chat, merci à Clara d'avoir, de t'être fait l'écho des questions. Il y a une question... qui est posé, faut-il dans la partie prospective conserver l'idée de land sharing and land sparing? Est-ce que c'est quelque chose est posé différemment? Est-ce que ce type d'approche ou ce type de concept d'organisation du paysage est quelque chose qui doit être revisité ou quelque chose qui doit être un guide dans la définition de l'analyse prospective? Je sais pas. Fatma, c'est déjà pris en compte dans certaines études qu'on a regardées hein, sur la question de l'usage des terres. Comment est-ce que l'usage des terres doit être pris en compte? Ça peut être pris en compte non seulement sur les modèles, parce que souvent c'est des modèles biophysiques qui vont intégrer les terres disponibles et puis la manière dont on répartit les usages de ces terres. Et puis comme la question, elle se limite pas à ça, les approches qualitatives, elles sont aussi importantes pour essayer justement de décrire à quoi peuvent ressembler les paysages. Et c'est ce qu'on disait aussi sur la question des échelles à laquelle on regarde ces études prospectives. Ça va être, pour moi, la question land sparing, land sharing, elle peut être vue à différentes échelles. Et malheureusement, sur l'échelle locale, territoriale, l'approche landscape, c'est encore un peu... Ça commence, quoi. D'autres réactions à cette question ou j'ai encore le temps? Non, je pense que Jean-Luc, on va donner la parole à nos deux présidents. D'accord. Et je vais vraiment remercier tous les intervenants. Il n'y a pas eu de questions préparées à l'avance. Chacun est intervenu librement. C'est exactement la même chose pour les présidents. On n'a pas préparé quoi que ce soit. Donc, on va vraiment les écouter pour voir qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils ont appris. Merci beaucoup à notre représentante de la jeunesse. Et donc, les questions qu'on n'a pas pu répondre, il y a, bien entendu, il y en a eu beaucoup. Je l'ai dit au début, on va essayer de faire ce travail. Certaines questions mériteront peut-être un temps de réflexion vraiment, même si on va apporter des réponses concises à l'écrit. On va essayer de faire ce travail-là pour fin janvier. Et les questions nous ont bien sûr beaucoup appris. Souvent, ce sont les questions qui sont plus importantes que les réponses. Voilà. Donc, Elisabeth, est-ce que vous êtes là? Donc, présidente directrice général du CIRAD, j'espère que oui. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Très bien. C'est parfait. Merci, merci à toutes et à tous, à tout cet auditoire que nous avons la chance d'avoir eu aujourd'hui. Moi, je voudrais commencer par remercier notre ambassadrice auprès des Trois-Romaines parce que c'est un travail fantastique. Elle et bien sûr Raoul et bien sûr l'équipe dont nous bénéficions tous
aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas un petit travail et que c'est une charge logistique très importante. Merci aussi à, bien sûr, tous nos collègues de la FAO et des autres institutions de nous aider dans cette possibilité de partage à laquelle on est très sensible. Alors, je ne vais pas tenter de faire un résumé parce que c'était très riche et parce que je vais être honnête, à certains moments, je n'étais pas avec vous. Ce que j'ai vu quand même, d'abord, c'est la densité des exposés, hein, 12 exposés. Si on regarde toutes les institutions avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous montez des projets, dont vous faites partie, dont vous êtes alliés, c'est très impressionnant. On a finalement plus de 500 institutions, universités, organisations de tous les continents qui sont d'une façon ou d'une autre représentées dans ce débat ouvert que nous avons aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est impressionnant. D'abord, c'est un succès pour cette manifestation. Mais je crois aussi que c'est le signe que le sujet dont nous avons traité, alors les trois thèmes prévus, mais aussi la question de cet agenda 2030 et de ce cadre général onusien sur l'action de développement, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup et sur lequel nous voulons contribuer. Et c'est vrai que dans cet agenda 2030, on l'a vu et c'est l'actualité, la question des trajectoires nationales des systèmes alimentaires, ce qui est fait par, qui est suivi par le hub onusien, c'est quelque chose qui nous préoccupe tout particulièrement. Et je voudrais remercier Sylvie Ekra pour aussi tout son travail sur le sujet. Peut-être plus particulièrement s'agissant du CIRAD, je soulignerai rapidement, Raoult, trois points. Le premier, et je parle pour le CIRAD, mais j'imagine que Valérie, qui est là pour l'IRD, et puis Philippe, qui va parler pour l'INRAE, partage cette préoccupation, c'est qu'on veut à la fois aider à la compréhension du phénomène global, mais en même temps, on s'attache à la déclinaison locale, aux enjeux locaux, à l'échelle des territoires. Parce qu'on croit très fort que c'est là que se trouve la solution. Et nous, comme institution de recherche finalisée, on veut être utile à la fois produire des connaissances, produire des solutions, éclairer le débat public. Et on le fait, nous, par le biais de dispositifs en partenariat, on appelle ça des DP, les autres institutions ont ces mêmes plateformes, et on le fait aussi en essayant de casser les silos disciplinaires, en essayant d'avoir vraiment une action multidisciplinaire, transdisciplinaire et des thématiques larges. Et un des exemples de cette approche qu'on a réalisé avec la FAO, c'est tout le travail qu'on a conduit sur l'évaluation des systèmes alimentaires. Alors, en anglais, c'est le Food System Assessment. On en a réalisé quelques-uns pour la FAO et c'était un vrai challenge. Et justement, ça nous a permis de mettre en relation ces enjeux globaux, ces évaluations locales, ces solutions locales et puis toutes ces disciplines qui travaillent de concert. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est que on voit bien qu'on parle en définitive de politique publique, c'est ça qui peut changer les choses, c'est ça qui peut nous permettre d'accélérer la marche vers ces objectifs de développement durable. Et là, on sent qu'on a aussi besoin de progresser sur tout ce qui est l'interface science et politique, science et décision, tant au niveau national qu'au niveau international. Et je crois que la FAO, le pôle onusien, ont un rôle très fort à jouer. Alors, c'est vrai que nous, étant basés à Montpellier, on a la grande chance d'être voisins des CGIAR. On a la grande chance d'être aussi dans la mécanique de ce qu'on peut appeler l'interpanel, le processus de Montpellier, qui fait que Dialogue et le GIEC et le HLPE et l'IBES et l'OLEP, que finalement, la science de ces grands enjeux des objectifs de développement durable se met autour de la table pour penser les priorités, les contradictions, les arbitrages, et tout ça aussi avec l'idée qu'on a besoin aussi de produits plus forts, plus clairs, plus faciles à manier pour les décideurs. On peut pas simplement dire les décisions prises sont pas les bonnes. On a aussi une part de chemin à faire, et moi j'y suis extrêmement attachée à cette part de chemin là. Et puis mon troisième et dernier point, c'est de dire que finalement cet agenda qu'on a manipulé aujourd'hui, il mérite sans doute d'être travaillé en profondeur. Je vous incite à lire ce fameux rapport du GSDR hein, 2023, à le commenter, à se l'approprier et finalement à établir ce dialogue, c'est-à-dire sur les bases de ce constat, se dire il y a une urgence.
C'est tout le débat politique qu'il y a au sein des Nations Unies, et notamment lors des évaluations de juillet. Il y a ce rapport qui pointe les résultats, et il faut qu'on réponde à ce temps court, mais il faut aussi qu'on s'approprie le temps long, qui va être le temps des solutions, et sans doute de penser ces intersections d'objectifs de développement durable. Donc, et un moment comme aujourd'hui, il peut nous donner l'opportunité de nous mettre en contact et de penser ensemble ce temps long de la recherche. Temps long ne veut pas dire manque d'activité. Ce temps long, mobilisé le plus rapidement possible pour des urgences qui sont elles-mêmes à court terme. Donc, voilà, et je conclurai simplement en vous disant aussi que je me réjouis de vous retrouver à nouveau l'année prochaine sur une autre thématique qui nous intéresse aussi beaucoup, celle de l'eau. Et puis, de nouveau, merci à toute l'équipe qui a organisé cette très belle journée, ce très bel atelier. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth et Philippe Mauguin. C'est à vous de clore ce webinaire. Il sera terminé après votre intervention. Il continuera par quelques dessins et un petit peu de musique pour ceux qui souhaiteront continuer un petit peu en ligne. Merci beaucoup. C'est à vous, Philippe. Merci beaucoup, Raoul. C'est à la fois un honneur et un plaisir de conclure cette belle séquence. Un grand merci à mon tour à l'ambassadrice pour l'organisation et à toute l'équipe et à toi Raoul en particulier, mais c'était un travail collectif. Un grand merci aussi à tous les intervenants, les équipes de l'IRD, du CIRA, d'INRAE, du CNES et tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu dans un temps court d'intervenir sur un sujet ô combien important et complexe. Ce que je voudrais à mon tour en termes de conclusion, c'est de vous dire un peu comment j'ai ressenti. J'ai pu écouter toutes les interventions et c'était effectivement très riche. Je voudrais revenir sur quelques-unes, mes excuses pour ceux que je ne pourrais pas citer, mais je retiens notamment en début de séance les propos forts du professeur Ibrahima Attier, qui nous traduit finalement assez précisément et simplement une situation à mi-parcours de l'agenda 2030 qui est peu satisfaisante, voire inquiétante, si on se réfère aux 17 objectifs. Dans des domaines majeurs comme la pauvreté, la faim, l'égalité homme-femme, on est plutôt en régression depuis le précédent rapport et les avancées sur les volets climat et biodiversité sont là, mais vraiment trop faibles. C'est évidemment un bilan qui peut nous interpeller en tant que scientifiques, mais aussi en tant que citoyennes et citoyens. Nous sommes pourtant convaincus que, et ça a été dit aussi pendant la session, que ces 17 objectifs du développement durable doivent être encore un peu des phares pour l'action. Ils nous permettent de donner des indications claires sur les défis que nous devons relever collectivement. Mais c'est vrai que atteindre une vitesse satisfaisante sur des objectifs, on l'a vu, qui sont très entrelacés, on a pu voir sur plusieurs présentations qu'il y avait des synergies entre ces ODD, ça reste compliqué. Alors comment progresser ? Pour ne pas rester sur cette note un petit peu décourageante, il faut, on l'a vu aussi, pour progresser, avancer sur les scénarios de transition. Des scénarios qui peuvent être pensés à l'échelle globale et déclinés, comme l'a dit Elisabeth avant moi, au niveau des territoires, qui permettront de mieux intégrer les objectifs interconnectés comme la sécurité alimentaire, la nutrition, le changement climatique, la biodiversité, les sols et la restauration des écosystèmes, mais aussi la gestion de l'eau, l'emploi, l'énergie. Tout doit être évidemment pensé de façon systémique et non plus en silo. Alors, on l'a vu aussi, et notamment avec l'intervention de Sylvia Ekra, on a des éléments encourageants, la transformation des systèmes alimentaires et les 6 voies identifiées pour atteindre de façon systémique les ODD sont des éléments qui peut-être vont nous permettre de mieux configurer ensemble et avec toutes les parties prenantes ce que peuvent être ces chemins de transition aux différentes échelles. L'enjeu du sommet sur les systèmes alimentaires et les suites qui ont été co-construites, nous permet d'envisager ces scénarios régionalisés de transition. L'intervention d'Olivier Dangle a bien permis aussi de voir l'intérêt de la science de la durabilité pour comprendre ces scénarios de transition. Et donc, ça nous donne un cadre,
un cadre qui est à la fois systémique et qui permet d'articuler des éléments biophysiques, socio-économiques. Ça nous incite aussi à penser ces scénarios de transition dans une démarche de co-construction avec les acteurs, l'ensemble des parties prenantes, c'est les agriculteurs, les acteurs des filières alimentaires, la distribution, les consommateurs qui ont été cités, évidemment les collectivités locales et plus globalement tous les citoyens. C'est certainement un des éléments de la complexité de la transition écologique, le nombre d'acteurs associés qui sont des éléments parfois de verrouillage socio-technique, des situations qui sont aussi des ressorts. Il faut qu'on réussisse à transformer ces freins, cette complexité du nombre d'acteurs en éléments de ressort finalement dans la façon dont on conçoit aussi la recherche et l'innovation. Nous ne sommes pas démunis pour construire ces scénarios de transition. Évidemment, nous disposons d'une accumulation de données scientifiques, celles du GIEC, de l'IPBES, du HLPE, les projections agroclimatiques, les données aussi d'expertise internationale. Et on est attendu, je crois, aussi là-dessus, sur notre capacité à les rendre intelligibles, à les articuler, pour proposer des éléments qu'on va évidemment pas décider à la place des acteurs, mais qu'on peut mobiliser et rendre intelligibles pour aider les acteurs à se les approprier et à co-construire ces itinéraires de transition. Donc ça, c'est des éléments qui nous permettent de passer au fur et à mesure qu'on a discuté tout au long de cette fête de la science, de constats un peu pessimistes à des visions un petit peu plus optimistes. On a chacun dans ces territoires essayé de se confronter à ça. En France, la planification écologique qui a été engagée par le gouvernement est une tentative de rassembler toute une série d'éléments, à la fois sur le climat, la biodiversité, avec l'ensemble des acteurs de l'économie, l'ensemble des acteurs de la société. On va se frotter, on va dire, dans la phase qui s'ouvre en France, à une planification écologique dans les territoires. Donc on va essayer de faire ça. Je pense que c'est pas évident, mais ça va être intéressant. Au niveau européen, on a des dynamiques en cours et on se réjouit que la Commission européenne ait, dans le cadre du programme Horizon Europe, décidé de soutenir un très gros programme, un partenariat sur les systèmes alimentaires, et ça résonne bien avec les conclusions du sommet des Nations Unies. Donc on a la charge INRAE de le coordonner avec un très grand nombre d'États membres et un très grand nombre de parties prenantes sur toute la chaîne des systèmes alimentaires. Et on va évidemment l'articuler avec le partenariat sur l'agroécologie et la mission européenne sur les sols. D'autres éléments d'optimisme qui montrent que la communauté scientifique se mobilise nous ont été présentés. Je pense au projet qui est maintenant une initiative mondiale 4 pour 1000 que Paul Lu nous a présenté et qui est une façon de penser aussi système à partir du sol, qui est un élément clé, ou l'intervention de Manon Lounas qui nous montre aussi comment en quelques années, en à peine 3 ans, l'initiative Présode s'est déployée. Et permet d'avancer sur le chemin de la prévention des zoonoses au niveau mondial avec des forums de parties prenantes dans lesquels les scientifiques sont engagés sur chacun des continents. Donc ça, pour moi, c'est évidemment des motifs de satisfaction. C'est des petites gouttes d'eau dans la transition, mais c'est quand même autant d'initiatives qui vont dans la bonne direction. Les grandes coalitions mondiales qui sont sorties du sommet des Nations Unies, c'est évidemment aussi celle sur l'agroécologie ou l'autre sur une autre sur les repas scolaires, sont justement des endroits où on pense global, mais on a la volonté d'avancer sur des leviers concrets, des leviers et des initiatives opérationnelles. Donc je pense que ça va dans le sens de ce que nous souhaitons voir pour avancer sur l'agenda 2030. Voilà, alors on n'a pas pu tout montrer, on n'a pas pu tout discuter. Le temps était vraiment et très très bien tenu par Raoul, mais je crois que ça nous a donné l'envie déjà de continuer ce travail en communauté. Alors on a au plus tard, à l'automne 2027, quand on aura connaissance du rapport onusien GSDR 2027, l'occasion de se retrouver dans certainement une nouvelle fête de la science co-organisée par l'INRAE, l'IRD, le CIRAD pour parler de ces avancées. Entre-temps, évidemment, on aura, j'espère, bien travaillé. Elisabeth l'a dit, l'année prochaine, aux alentours du 22 novembre, vous pouvez toujours prendre une première option sur vos agendas. Il faudra qu'on confirme la date. On parlera du thème de l'eau, de la source aux océans, que Madame l'ambassadrice a évoqué dans son discours d'ouverture et qui est un enjeu évidemment fondamental pour l'avenir de la planète. Voilà, il est maintenant temps de conclure.
Et en écoutant Lorenzo Giovanni Bellu, ça m'a donné envie de reprendre une phrase d'Antonio Gramsci que moi aussi j'aime beaucoup et j'utilise souvent, qui est une façon finalement peut-être de résumer nos discussions. Dans ce jour de la fête de la science où on est confronté à l'urgence des besoins, aux obstacles et aux tragédies parfois internationales, aux progressions qui sont trop lentes, mais où on voit en même temps cette mobilisation. Je crois qu'il nous faut, en tant que scientifiques du monde entier, conjuguer le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Et cette journée, finalement, nous y invite. Et si la science ne peut pas tout, elle doit amener sa contribution. Et je crois qu'on peut dire que vous pouvez, l'ensemble des acteurs, compter sur nous. Maintenant, place à la musique. Bon après-midi pour certains, bonne matinée pour d'autres, ou enfin, parfois, bonne soirée à toutes et à tous. Un grand merci encore pour votre participation. Merci beaucoup à tous. La musique va commencer dans quelques secondes. Et ceux qui ont encore un peu de temps de rester, s'ils veulent continuer à poser des questions dans le chat, des remarques, voilà, la fête est terminée. On se connecte à Londres et puis à la dessinatrice. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Musique. You got to stay, the dark clock say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. There are colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, and they really sing I love you. I see babies crying, I wish them through, they learn much more, they I will never, never, never learn anything to myself. What a wonderful world. I feel good.
this day, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. Nothing I find was to hold me close. I don't know what I'm gonna do, I let myself go. And I will fly through the stars, I hope we'll never last forever. Come on, sing together, oh, 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 oh. Ain't nobody, body knows me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody knows me better than you. I've been waiting for you, it's been so long. I know just what I go through when I heard your song. With my heart with the bees, give me feedback. You are good at praises, give me someone. And I will fly through the stars, I hope it never lasts forever. Come on, sing, oh, 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 oh. Ain't nobody, nobody knows me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody, nobody knows me better. Timothée on keys, Melker on the guitar, and James on drums, and Tatiana. Thank you very, very much. See you soon.